Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct du Letzi Round de Zurich pour la 16e journée de Super League entre le FC Zurich et le Servette FC. J'ai le plaisir pour cette rencontre de me retrouver avec Ethan Fasnacht. Comment tu vas, Ethan? Ça va très très bien et toi, Thomas? Ben, ça va super bien. Et comment allez-vous aussi, vous qui êtes dans le chat, qui arrivez gentiment sur ce live? On se réjouit vraiment beaucoup de cette rencontre, de ce live. Malheureusement, voilà le dernier match à Valogne, qui était un match absolument épique. On avait eu quelques problèmes de live et du coup, on se réjouit avec la même équipe hein, de se retrouver devant vous pour pouvoir vous faire vivre cette rencontre. Et voilà, simplement pour cette introduction, on se réjouit simplement de voir cette rencontre. Comment est-ce que tu vois un petit peu cette rencontre du Servette FC ici à Zurich? Pour moi, ça a tout du match piège. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Thomas. Je pense que Zurich, c'est une équipe qui va un petit peu mieux depuis que Bo Henriksson est arrivé. Donc, nouveau coach. Voilà, c'est une équipe qui a quand même posé des problèmes à Arsenal, comme on en parlait avant le match. Alors que cette fois, on voit le retour, donc on voit cette accréditation qui a posé des problèmes à Arsenal, qui est quand même leader de Premier League. Alors, malgré l'élimination de l'Europa League, c'est quand même une équipe qui a été battre aussi Bodø/Glimt. Il a fait un beau parcours en Conference League, sauf erreur l'année passée. Ouais. Donc c'est une équipe qui est capable de faire quelques coups. Ils ont gagné leur premier match de championnat aussi contre Sion. Et finalement, ils n'ont que le championnat maintenant à se concentrer. Enfin, ils ont été éliminés de l'Europa League, éliminés de Coupe de Suisse. Donc pour eux, la saison commence vraiment maintenant. La saison. Que ça peut, s'ils peuvent partir en vacances avec une nouvelle victoire... On n'espère pas. On n'espère pas. Avec ce FC Zurich qui joue quand même mieux ces derniers temps. Comme tu l'as dit, une équipe qui a été capable de battre Bodø/Glimt, d'être loin d'être ridicule à Arsenal. Mais voilà, FC Zurich qui n'a que 9 points en 15 matchs. Il ne s'est imposé qu'à une seule reprise. C'était du côté de Tourbillon, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 semaines. Mais voilà, FC Zurich qui a 7 points de retard sur Winterthur, plus sur le reste du classement. Donc en difficulté, hein, les Zurichois dans cette saison. On va voir ce que ça va pouvoir donner durant cette rencontre, alors que c'est à qualité ce genre derrière de l'équipe communication du Servette FC. Alors que l'on voit un je t'aime Thomas sur l'écran dans cette accréditation. Je ne m'y attendais pas et ça fait toujours plaisir de cette équipe communication qui nous fait plaisir hein, ici au Letzi Round et de manière générale qui fait du très très bon travail et on est là aussi pour les remercier de tout ça. Alors qu'il y a un grand tifo qui est en train de se préparer du côté du COP du FCZ, on va évidemment vous parler un petit peu de l'ambiance qu'il va y avoir cet après-midi, mais on va commencer par parler des compositions de cet après-midi avec on peut commencer avec l'équipe du FCZ, celle qui reçoit l'équipe du FCZ donc qui aujourd'hui est composée en 3-5-2 avec Yannick Brecher au but comme d'habitude, Kamberi, Katic, Metz comme trois défenseurs, Kondé en milieu défensif, Boraniazevic et Marquezano comme piston sur les côtés. Guerrero, ce sera plutôt Guerrero sur un côté, hein, y a une erreur. Guerrero sur le côté avec Boraniazevic à droite et à gauche. Marquezano et Krasniqi au milieu du terrain et en pointe Tosin et Okita. Donc sur le papier quand même une très très belle équipe du FC Zurich qui avait posé des difficultés au Servette FC lors de sa venue à la Praille il y a de cela quelques semaines. Ouais exactement, et puis comme tu disais en plus, maintenant il y a eu un changement de coach, donc ça pourrait encore plus poser de problèmes au Servette FC aujourd'hui. Je sais pas si tu veux rajouter un mot sur le banc, peut-être, il y a quelques surprises tout de même sur le banc. Ouais, effectivement, avec Omer Agic notamment. Ouais. Par exemple, Omer Agic qui n'est pas titulaire, qui a de la peine hein, cette saison. En fait, il a de la peine depuis qu'il s'est blessé fin de saison dernière. Il a de la peine à revenir, alors que le speaker nous crie un peu dans les oreilles et que c'est un petit peu compliqué de nous entendre. Mais voilà, il y a notamment Omer Agic qui est sur le banc. Moi, il y a un joueur que j'apprécie beaucoup dans ce FCZ qui est Fabian Rohner et il est très très souvent remplaçant et j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre parce qu'il fait souvent des différences. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Non, je suis d'accord avec toi Thomas. Moi, après, laissons du temps à Bo Henriksson. Je pense qu'il met en place ses pions. Mais c'est vrai que Rohner et Omer Agic, ça me surprend, même si Omer Agic a de la peine à revenir. C'est quand même un des plus gros potentiels de cette équipe zurichoise. Donc voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la compo du SFC? Ouais, on peut passer à la compo du SFC. Alors c'est quasiment du classique ce qu'a fait Alain Gaillard, hein, toujours le 4-3-3 avec une pointe basse. On a évidemment Jérémy Frick qui est capitaine et qui est dans les cages. En défense, Gaël Clichy à gauche, Moritz Bauer à droite. Dans l'axe, Nicolas Vouillot, Steve Rouillet. Milieu de terrain, nous avons David Doulin. Alors c'est là que nous,
pense que ça va évoluer avec un double pivot défensif, à savoir David Doulin et Boris Cespedes, avec Patrick Fluke plus dans un rôle de 10. Sur les ailes, nous aurons Derek Kuteza et Miroslav Stanovic, et en pointe, Ronny Rodelin. Sur le banc, nous avons Boubacar Fofana, Théo Magnin, Sidiki Camara, Sambal et Lediba, Anthony Baron, Diogo Montero, Edine Maragic, Alexandre Diaz-Patricio et Hussein Touati. Donc un banc extrêmement jeune, hein, côté Grenat. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses de ce banc, mais l'âge, enfin, la moyenne d'âge ne doit pas être très élevée. Bah ouais, un banc extrêmement jeune qui vient notamment du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'absents côté Servettien, avec un nombre de blessés assez incalculable. Johan Severin, Chris Bedia, Valton Berami, Alexandre Antunes, Enzo Crivelli, Théo Valls, Moussa Diallo, Timothée Cogna pour le dernier. Ça fait beaucoup, ça ouais. Fait quasiment une équipe entière, hein, qui est blessée, une équipe qui peut briguer des places de titulaire. Donc voilà, Alain Gaguerre doit remodeler son équipe assez souvent, mais je pense que la force du Servette FC cette année par rapport aux années précédentes, c'est que même lorsqu'il y a beaucoup de blessés, ce qui est souvent le cas au Servette FC, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Là, Alain Gaguerre a des possibilités de faire beaucoup de tournus, mais des tournus qui fonctionnent avec des joueurs qui sont encore suffisamment bons pour faire des différences en Super League. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est un gros gros point fort, hein, quand on voit que même au début de saison, hein, tu avais les trois latéraux gauche qui étaient blessés. Tu pouvais quand même aligner bord à gauche ou bricoler un peu, et tu avais quand même une équipe compétitive finalement. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un gros point fort, et c'est ce qui différencie les grandes équipes des équipes de milieu de tableau. Et est-ce que ça va être une grande équipe, je sais pas, mais en tout cas elle commence à avoir la profondeur pour discuter avec les grosses équipes de ce championnat. C'est clair, et on l'a vu quand même la semaine dernière avec la réception de eBay, même si voilà, ouais. Servette a fait match nul avec en étant à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Le Servette FC a quand même tenu en échec Young Boys, qui est assez monstrueux cette saison, donc c'est quand même aussi un résultat à prendre en compte. Fait, et le Servette FC, surtout, j'ai l'impression, cette saison, est capable d'être fort mentalement, et même dans des matchs où il n'y a quasiment rien qui va, ils arrivent quasiment toujours à s'en sortir. Et on a ce match forcément à Volonne il y a quelques jours, en exemple, où voilà, même si c'est une équipe de 4ème division, le Servette FC était en grande difficulté et ouais. Est parvenu à sortir un petit peu la tête de l'eau de nulle part. Ouais, c'est clair, c'était un match... On pourrait se dire les mots catastrophiques de la part du Servette FC. En tout cas, cette première mi-temps était clairement pas au niveau de l'équipe. Et voilà, au final, tu t'en sors sur un coup franc de Fofana un peu venu de nulle part. Et après, en prolongation, bah, Servette était juste plus fort. Mais c'est vrai que ça a failli quand même tourner à la catastrophe. Ah oui, ça aurait été une élimination en 8e de finale contre une équipe vraiment que le Servette FC devait absolument battre. Donc ça aurait été vraiment une catastrophe, comme tu dis. Et on va quand même mentionner le fait que Servette a eu énormément de chance au tirage, comme d'habitude depuis le début de cette saison, ouais, avec le tirage de Rotkreuz, hein, qui est la dernière équipe de non de Super League, ouais. qui reste en lice. Toon est encore là. Effectivement, il doit jouer son 8e de finale encore contre Lucerne, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors ouais, voilà, t'as raison qu'ils ne sont pas encore en quart de finale. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, une équipe de 4ème division, donc le Servette FC devra passer ce tour pour arriver en demi-finale. Alors que les deux équipes font leur entrée sur la pelouse devant un tifo du FC Zurich qui est assez magnifique, que Diego Esteban, qui est avec nous, notre technicien d'aujourd'hui, a pris en photo évidemment, et qu'on vous partagera sur nos réseaux sociaux. Mais voilà, un beau tifo du côté de la sud courbée du FCZ, alors qu'il y a vraiment pas mal de monde, hein, quand même, notamment ouais, c'est ce que je voulais te dire, hein, comparé au match contre Grasshopper il y a quelques semaines. Il faut savoir que vraiment les secondes est bien plus garni que pour un match contre de Getse, quoi. Ouais. La section Grenat qui a allumé des fumigènes également, alors qu'ils sont évidemment moins bien nombreux que la sud courbée, mais c'est quand même sympathique de voir les déplacements, beaucoup de déplacements cette année, notamment grâce au CFF, hein, qui rendent ça possible avec la mise à disposition des trains spéciaux. Et il y a de plus en plus de monde en déplacement, hein, côté Servette. Ouais, c'est clair, et il y a vraiment un engouement qui commence à... Alors qu'il y a une deuxième partie de Tifo qui va arriver côté FCZ. Alors on va évidemment prendre tout ça en photo. À noter également que le Servette FC va jouer pour la troisième fois de cette saison avec son troisième maillot, le maillot noir. Les deux premières rencontres étaient une rencontre du côté de Tourbillon qui s'était soldée sur un match nul et vierge 0-0. Et une victoire ici même contre Grasshopper il y a de cela quelques semaines, 3-2, avec notamment un doublé de Boubacar Fofana. Exactement. Effectivement, il me semble qu'on a tout dit pour cette rencontre. Je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec le côté technique. Est-ce que ça te va si on augmente un petit peu le retour dans nos oreilles ? Je vais te le proposer, je ne sais pas trop pour déranger les auditeurs, mais oui, je... Et voilà, j'entends ta douce voix suave actuellement dans mes oreilles. Et ça fait plaisir, alors que
Alors, le tifo est joli, mais il y a des gros problèmes de propension de bras pour le moment. Un bras est plus long que l'autre. mais voilà, un beau tifo hein, quand même du côté du FCZ. Alors qu'on nous demande une estimation du nombre de supporters servetiers. Hein. Oh, c'est difficile à dire, mais je dirais peut-être 300 ouais. 200, ouais, 300, ça n'arriverait pas à 200 dire. 200 et 500 grand maximum, mais moi, c'est toujours dans ces eaux-là. C'est toujours difficile d'estimer. Ouais. Ça dépend des stades, ça dépend de... Justement, parce qu'on essayait d'estimer le nombre de personnes présentes dans la suite qu'on veut avant le match. Et voilà, on tenait aussi à vous dire de rester à la mi-temps, il n'y aura pas de pause. Thomas va être en compagnie d'Hugo Curti, journée sportif au Blic. Et ils vont vous parler de la nouvelle formule qui a été adoptée par les clubs de Super League, étant donné qu'il n'y aura donc pas de play-off. Mais ça, on en parlera à la mi-temps, donc vous pouvez rester, il n'y aura donc pas de pause durant ce live. Dernier point avant que cette rencontre ne débute, l'arbitre de cette rencontre, M. Mireille Tourquez, qui sera assisté de M. Marco Durcher et Mirko Burgi, le quatrième arbitre, et M. Sven Wolfensberger, qui d'ailleurs était au match hier entre Sion et Saint-Gall, si je ne dis pas de bêtises. Le fameux 7-2 du FC Saint-Gall. Et l'arbitre à la VAR sera M. Fedaïsan, assisté de M. Sacha Kever. Voilà qui est dit pour cette rencontre. Vous avez toutes les informations. Et Monsieur Tourquet a le sifflet à la bouche et va pouvoir lancer cette rencontre de la 16e journée de Super League. On attend quelque chose. Je n'arriverai pas à vous dire ce que c'est. En tout cas, c'est les Servetiens qui vont lancer cette rencontre avec René Rodelin et les Grenats. En l'occurrence, les joueurs habillés de noir plutôt aujourd'hui, mais les Grenats certes quand même. Le fameux maillot qui a fait parler, parce que Molde a sorti également le même maillot quelques semaines plus tard. Effectivement, et c'est parti pour cette rencontre. Non, c'est pas totalement parti, on va refaire le coup d'envoi. Là, Rodelin qui va donner le ballon à Steve Rouillet qui va jouer directement en transversal, direction Miroslav Stevanovic, mais une tête zurichoise va s'interposer. Doulin qui cherche Rodelin dans la profondeur. Mais Stevanovic qui arrive là en deuxième rideau, c'est bien joué, centre de Stevanovic pour Fluke. Tir de l'extérieur de Fluke qui passe au-dessus des buts de Brecher. Mais première frappe pour les Grenats, pas seulement 24 secondes de jeu. Ouais, c'était bien joué hein, de Stevanovic comme d'habitude, sa patte magique qui arrive à trouver Patrick Fluke en retrait. Malheureusement la frappe de l'extérieur du pied, à noter du pied gauche de Patrick Fluke, c'est quand même bien envolé au-dessus des buts de Yannick Brecher. Mais une première occasion assez intéressante pour les Grenats, alors que voilà, on va évidemment vous suivre durant cette rencontre sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on tâchera d'y répondre. Avec un ballon au milieu de terrain là, qui va être pour le FC Zurich et son numéro 19, c'est Borinjazevic qui se bat à la face d'Eric Kuteza. Il va réussir à donner ce ballon dans l'axe, mais c'est récupéré par le Sarat FC. Attention à David Doulin là, qui est entre 3 Zurichois et il va obtenir la faute. Le milieu défensif Grenat, long ballon de Clichy en direction de Miroslav Stevanovic, c'est bien joué avec Bauer à présent. Bauer qui est obligé de rejouer avec Nicolas Vouillot dans les pieds de Jérémy Frick. On va repartir depuis les buts, alors que Zurich presse énormément en ce début de match. Long ballon de Vouillot pour Stevanovic avec Cespedes pour Rodelin qui va rejouer avec Bauer. C'est bien joué là pour Stevanovic, mais Stevanovic n'a pas continué son effort et le numéro 28 zurichois Metz a pu récupérer le ballon. Ouais, c'était un point intéressant hein, du côté de la Praille lorsque Zurich était venu. Une équipe qui presse énormément, hein, qui presse très, très 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 haut. Et on l'a vu notamment lors du dernier match du FCZ à Sion, des Zurichois qui pressaient extrêmement haut. Et c'était notamment ce qui avait fait leur force lors de leur titre. Et voilà, on retrouve quand même un FC Zurich qui est plus en adéquation avec leur rang et leur statut de champion en titre. Et on espère quand même que les Zurichois ne vont pas trop trop bien jouer aujourd'hui. Ouais, oula, alors que là il y a un ballon qui est récupéré là sur Patrick Fouque. Attention, là ça se projette vite côté Zurichois avec un ballon pour Krasniqi à présent. Krasniqi qui rejoue dans la profondeur. Attention, c'est sur Borinjazevic, centre de Borinjazevic. Et il y aura un premier corner dans ce Letzi Grund, dans cette 16e journée de Super League. C'était bien joué là, en tout cas de la part des Zurichois, le dédoublement qui a mis en difficulté le côté gauche de la défense servetienne. Je me demande même si le centre de Borinjazevic qui a été dévié n'a pas fini par heurter le poteau de Jérémy Frick, parce c'est que possible, j'ai vu en tout cas à l'extérieur du poteau, ça c'est une certitude, étant donné que le ballon est sorti en corner. Premier corner donc pour les Zurichois. C'est parti pour les Zurichois, ça va être Guerrero qui va le botter ce corner alors qu'il a peut-être une faute dans la surface. Allez, une tête zurichoise qui passe par-dessus le but de Jérémy Frick alors qu'il y a un deuxième corner d'affilée. Frick qui n'est pas content. Ouais, il me semblait pas que ce ballon ait été dévié par un défenseur servetien. Non, effectivement.
mais selon l'arbitre, c'est le cas. Et donc, deuxième corner d'affilée pour les Uruguayens. Avec cette fois, il me semble que c'est Okita qui va le botter. Ouais, alors je n'ai pas exactement vu le ah, alors que maillot, mais... Ouais, ça s'échauffe là. C'est Frick et Tosin, ce Ferrer qui s'échauffe là. Et ça s'énerve, ou c'est Koundé peut-être. Je sais pas, mais en tout cas c'est sur le capitaine Jérémy Frick. Ouais. Et, il est franc, il est vraiment énervé là, hein, Jérémy Frick. On ne s'en prend pas un gardien de but. Ouais. Voilà. Simplement. Simplement, hein, c'est un fait. Hein. Mais... alors là, on essaie, monsieur l'arbitre qui essaie de calmer un peu les esprits. C'est clair que si le match dérape déjà à la 4ème minute, ça risque d'être long hein, pour le corps arbitral. En tout cas, ce corner qui va être botté à présent dans cette 4ème minute de jeu, c'est parti. Et qui va être bloqué directement par Jérémy Frick, absolument sans problème. Jérémy Frick qui donne ce ballon à Gael Clichy. Gael Clichy qui va jouer. Ah, il essaie de jouer dans la profondeur, mais c'est mal donné. Et c'est Borjnjazevic qui récupère. Long ballon pour Borjnjazevic dans le dos de Moritz Bauer. Moritz Bauer face à. Oh, attention, oh. Cette frappe. Oh, Jérémy Frick qui sort l'arrêt. Et c'est Okita là, qui avait frappé. Magnifique hein, cette frappe ouais. de Okita. Et Jérémy Frick qui sort un très bel arrêt. Ouais, ouais, une arrêt détente. Photo, ouais, ouais, vraiment. Jérémy Frick qui fait vraiment hein, une première moitié de championnat magnifique. Hein. Ouais, très, très clairement. Un peu de peine à dire ce mot. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a un tifo, hein, boycott Qatar 2022. Ah oui. De football et de FIFA. Bon, ouais. Ça, c'est, on parlera pas politique aujourd'hui, mais. Cette Coupe du Monde qui va débuter la semaine prochaine fait déjà beaucoup parler. Hein. Attention à ce corner qui arrive avec Guerrero, alors que tous les joueurs sont quasiment dans les 5 mètres de Jérémy Frick. C'est parti au premier poteau, c'est dégagé de la tête, ça va revenir. Ça revient maintenant au deuxième poteau, ça va être dégagé par Fluquet qui va... Voilà, il ne va pas prendre de risque et dégager directement en touche. C'est assez bien joué de Patrick Fluquet qui écarte le danger. Mais voilà, on sent FC Zurich hein, qui est solide. Ouais, Zurich qui arrive avec des intentions de remporter les 3 points. Ils ont besoin de points, de toute façon, Zurich. Ouais. Hein, ils ont plusieurs points de retard là sur la 9e place. Alors, même si en cas de 10e place, il y a un barrage contre le 3e de Challenge League, je pense qu'aucune équipe ne veut le disputer non. Quand même, hein, ce barrage. Donc, il faudrait éviter. Et c'est une question intéressante de savoir est-ce qu'un champion a déjà été relégué juste après son titre. Excellente question. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez la réponse. Ou en tout cas, jouer le barrage. Bien joué de Kuteza qui peut accélérer, magnifique, Kuteza qui continue d'accélérer, il y a un appel de Rodelin, magnifique, ah c'était bien joué, l'intention de Rodelin était bien jouée pour Clichy qui avait fait l'appel, qui avait poursuivi son effort sur la gauche, malheureusement la balle de Rodelin est complètement dévissée et finit directement dans les bras de Yannick Bacher. Et Zurich qui va relancer avec Katic qui a fait un long dégagement et Vouillot qui va laisser le ballon revenir dans les pieds de Jérémy Frick. Jérémy Frick avec Steve Rouillet. On essaie d'écarter un peu le bloc servétien. On a cherché Kuteza, mais ça a été dévié. Katic mis sous pression par Ronny Rodelin. Ronny Rodelin qui va récupérer le ballon et qui va obtenir la touche. Bon travail là de Ronny Rodelin. Longue touche dans la profondeur. C'est Patrick Fluck qui a ce ballon. Patrick Fluck sur le côté de la surface de réparation, le centre. Ça va revenir sur Stevanovic. Stevanovic, il a Bauer avec lui. Bien joué. Bauer, le centre de Bauer. Il n'y a personne pour récupérer ce centre. C'est dommage. Et ça, c'est vrai que c'est souvent un problème hein, qu'on expose peut-être sur RTFC, c'est qu'il y a beaucoup de centres, mais rarement quelqu'un pour venir le récupérer. Ouais, alors là, il y a quand même quelque chose qui m'a échappé sur l'action de Moritz Bauer. Le centre, il fait un centre un petit peu par réflexe alors qu'il voit qu'il n'y a strictement personne dans la surface. Et après, il ne se bat pas sur la balle qui allait, selon lui, sortir en touche et il a laissé Marquezano revenir sur lui. C'est un peu dommage, hein, et du coup, il a... concéder entre guillemets la sortie de but pour Yannick Bacher alors que les Servetiens auraient pu être toujours dans cette partie de terrain, mais on voit les Servetiens, il y avait une faute là quand même sur David Doulin, ça n'a pas été signalé et là par contre la faute est signalée contre le Servette FC. Ouais, les Servetiens, on a l'impression dans ce début de rencontre qu'ils laissent un petit peu le ballon aux yeux et quoi et qu'ils veulent procéder par des comptes, ce qui peut être intéressant avec la vitesse de Fluquet ou de Kuteza. Ouais, tout à fait, après avoir commencé à ça va se passer aussi avec Ronny Rodelin, je pense que ça peut être intéressant, on connaît la qualité de déviation. Alors que là c'est super bien joué là de Kuteza qui a pu passer, Rodelin, Kuteza et il y a eu un retour de la défense zurichoise. Rodelin qui va rejouer avec Patrick Fluke. Patrick Fluke pour Rodelin, Fluke à nouveau qui est obligé de rejouer en retrait avec Doulin. Et Doulin il n'a pas beaucoup de solutions et Rodelin qui va être obligé de revenir sur Gael Clichy en retrait. Clichy qui écarte pour Nicolas Vuillot dans le rond central. Qui manque un petit peu son contrôle, mais il peut quand même avancer, servir Stevanovic qui est bien pressé, c'est dangereux cette balle pour Mitcha,
La balle maintenant de Vio en direction de Bauer qui a peut-être de la vitesse face à Marquezano, mais Marquez, face à Guerrero, pardon. Bien joué de Guerrero qui peut dégager sur Bauer, mais Bauer concède une touche, mais très proche du poteau de corner pour les Uruguayens. Donc c'est, on sait que c'est souvent compliqué de ressortir. Ouais, c'est ça, c'est une touche qui est pas facile. Hein. Il faut vraiment s'en sortir dans un petit espace. Et j'imagine que les Servetiens vont mettre la pression. En tout cas, Bauer disait à ses coéquipiers de monter. Et chacun son joueur là. C'est un peu. Comme à l'entraînement, alors que la touche est jouée là par Guerrero et les Uruguayens qui vont pouvoir dégager sans trop de problème. Rouillet qui met la tête, Bauer, oh, faute. Et faute sur Bauer, c'est une faute de Marquezano cette fois. On sent qu'il a de l'expérience, hein, Moritz Bauer, parce que il saute bien en avant pour se faire un peu pousser, crier en l'air et puis forcément influencer un petit peu l'arbitre. Mais c'est bien joué, Moritz Bauer, il faut jouer sur cette expérience dans ce championnat. Ouais, ouais, c'est sûr, et ça fait un coup franc à venir pour les Grenats. Qui va être apparemment directement botté dans la boîte. Ouais, tout à fait. Et qui est-ce qui va le tirer? Alors ce sera certainement Stevanovic, il n'y a plus qu'avec lui. Ou est-ce que ça va être un long ballon dans la profondeur pour Patrick Fluke? Non, ça va être un ballon pour Gaël Clichy au milieu de terrain. C'est assez surprenant. Long ballon de Clichy pour Stevanovic et le ballon qui est un peu bêtement perdu. C'était pas très très bien joué là ce coup. Non, effectivement, surtout que ça peut donner en compte, mais c'est bien joué de Fluke qui anticipe bien. Fluke pour Doulin. Doulin qui va revenir en retrait sur Steve Rouillet. Steve Rouillet, il y a un appel de Stevanovic. On préfère jouer avec Clichy qui est dernier défenseur là. Clichy pour. Pour Nicolas Vuillot, la passe de Nicolas Vuillot en direction de Kuteza, c'est pas très bien joué. Cette passe est un petit peu téléphonée et ça ne passe pas. Mais c'est récupéré par les Servetiens de nouveau avec Bauer. Bauer qui tente de dégager en direction de Stevanovic. Ouais. De Guerrero. Qui a eu un petit peu mal. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il a dû s'écrire sacre bleu, qu'est-ce que ça fait mal sur ce genre de ballon. Attention à Stevanovic qui va pouvoir récupérer ce ballon. Stevanovic qui va servir Bauer, c'est bien joué. La passe est un tout petit peu trop courte et va sortir en touche pour. En touche pour le Servette FC. Tu n'as absolument pas écouté que j'ai placé mon mot. C'est triste. Oh, c'est terrible. Oh non, c'est terrible. Mais bon, voilà, le sacre bleu est placé. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai absolument pas entendu. Je suis désolé, Ethan. Mais voilà, le mot sacre bleu qui est passé. De Bauer, là, dans la surface de réparation, ce ballon qui traîne. Oh, il a simplement glissé sur le ballon, là. Non, alors désolé, il a simplement glissé sur le ballon, Marquezano. Mais je me suis simplement exprimé. Voilà, Guerrero qui a dû crier sacre bleu, que ça fait mal. Dans voilà. Désolé, j'étais concentré sur le chat. En tout cas, on vous remercie pour les mots assez drôles que vous nous proposez sur Instagram. On ne peut pas tous les placer, mais on essaie en tout cas. Thomas a encore le sien à placer, oui. qui va être plutôt drôle, j'imagine. Mais peut-être que compliqué hein, ouais, à placer. Les Uruguayens qui peuvent repartir avec Metz. Metz en retrait pour. Pour Brecher. Brecher pour Cambéry. Cambéry, une passe en profondeur complètement ratée. Et c'est bien joué de Clichy qui laisse ce ballon sortir en touche. Les Servetiens ont eu 5 minutes un petit peu compliquées, même si ça allait. Hein. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'ils commencent à mettre le pied sur le ballon et puis à se montrer assez dangereux sur le but adverse avec notamment la Cespedes. Cespedes pour Rodelin. Rodelin pour Clichy. Clichy qui revient en retrait jusqu'à Steve Rouillet. Steve Rouillet là qui va certainement écarter le jeu, non il préfère jouer dans l'axe avec Cespedes. Qu'est-ce qu'il a fait là Cespedes? Un long ballon lobé pour Frick. C'était très dangereux là et Frick est obligé d'envoyer ce ballon en touche. C'était assez surprenant là ce qu'il a fait Boris Cespedes. Il a voulu jouer en première intention mais le ballon a sûrement juste rebondi devant lui. Et ça a été complètement manqué cette passe pour personne en fait. La passe était strictement pour personne. Ouais, j'ai eu peur même que ça lobe Jérémy Frick à un moment donné. Là, bien joué. Ouais, mais c'est Spadès qui rend le ballon à nouveau aux Uruguayens avec Aliti. Pas du tout Aliti qui est suspendu aujourd'hui, mais Cambéry plutôt. Cambéry pour Boraniazevic. Une passe en profondeur, c'est bien joué pour Okita. Et un hors-jeu de Okita qui était au duel avec Vio. Donc les Servetiens vont pouvoir dégager avec Jérémy Frick. Ouais. Jérémy Frick qui se plaint encore de l'arbitrage apparemment. Qu'est-ce qui se passe pour Jérémy Frick? Okay, quelque chose le dérange hein, au début de match, alors qu'il envoie le ballon clairement pas où il y avait en jeu. Effectivement. Il gratte plusieurs mètres et il faudrait jouer là, Jérémy Frick. Il y a plusieurs appels, mais voilà, c'est un peu tard maintenant. Notamment un appel de Stevanovic. On va jouer sur René Rodelin. René Rodelin qui perd son duel de la tête. Le ballon qui va revenir sur Steve Rouillet et qui va rejouer à nouveau avec Jérémy Frick. Et Jérémy Frick qui a. Il y a du bruit hein, dans ce stade, en tout cas la Sud-Gurvée qui chante. À pleine voix.
Ouais, bah, il y a une bonne ambiance dans ce stade depuis que les Zouikois ont été champions, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est clair, ça aide certainement. Et bien joué là de David Doulen qui va obtenir la faute normalement. Bah, tout le monde attend la faute et personne ne l'a. Oh là là, mais alors là, c'est un petit peu n'importe quoi ce qui se passe. Hein. Les deux joueurs, que ce soit Servetien ou Zouikois, s'étaient mis presque d'accord pour dire qu'il y avait faute et puis l'arbitre ne sifflait pas. Et du coup, il a laissé un petit peu jouer bêtement et puis ça a donné une scène un petit peu. Inutile entre Clichy et puis Okita. Clichy qui a dégagé sur Okita pour le faire concéder, on va dire, un carton jaune, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, simplement un coup franc à venir pour les Servetiens dans leur moitié de terrain. Avec Clichy, justement, qui va jouer ce coup franc. Il prend son temps, hein, Gaël Clichy. Est-ce qu'on va pouvoir jouer? Il repart en arrière. Allez, c'est joué cette fois pour Stanovic. Stanovic, la joué. Tête, qui va jouer sur Moritz Bauer. Moritz Bauer qui rejoue sur Stanovic. Stanovic pour Cespedes. Il n'a pas vraiment suivi là le corner bolivien et il va obtenir le corner. Bien joué. Et grosse pression là de Cespedes sur Metz ouais, qui a pointé du doigt l'arbitre de touche pour dire t'as bien vu. Et effectivement. Est-ce qu'il est à la section Grenat? Oui, il y a bien la section Grenat. Absolument, en nombre. 150 hein. Personnes en tout cas. Ouais. Et voilà. Bah d'ailleurs Diego qui va te répondre également Loïc dans le chat. Alors qu'on va suivre ce premier corner Servetien avec Patrick Fluquet. C'est parti pour Fluquet, premier poteau, c'est mal tiré, c'est dégagé directement. Et attention à Cespedes qui est mis sous pression. Bien joué de Boris Cespedes, mais la passe est complètement manquée et récupérée par Marquezano. Et attention le contre, heureusement Marquezano fait n'importe quoi derrière. Ouais. Mais alors là Cespedes ouais, il a quelques ballons perdus là Cespedes sur les dernières actions. Et celui-ci de ballon peut être dangereux hein, puisque ça offrait une contre-attaque à Zurich. Jeremy Frick qui dégage en direction de Rodelin, ça va être trop court, récupéré par Metz. Metz pour Marquezano, bien joué de Marquezano qui peut se retourner, mais remettre en retrait à Camberi. Camberi pour Boraniazevic sur la droite, bien couvert par Gaël Clichy qui fait un bon début de match, hein, Gaël Clichy. Oui, tout à fait. Alors, toujours du Gaël Clichy dans le texte, on a cherché les transversales pour Stevanovic. Toujours la même action, Gaël Clichy. Et il y aura donc une touche qui va être jouée par Boraniazevic. Et c'est chose faite, on écarte avec Guerrero à présent. Guerrero sur le côté gauche. Guerrero qui va rejouer là sur Krasniqi. On essaie de s'approcher de la surface de réparation servetienne. Krasniqi, oh. Ça va revenir sur Kita. Et la frappe, oh. Ça va juste à côté. Alors, la frappe de Kita, juste à côté de la cage de Jeremy Frick. Presque convaincu qu'elle allait finir dans le petit fil cette ouais. Frappe. Elle est tellement bien partie, ouais. On connaît la qualité de frappe de Kita. Oui, mais il me semble que c'était Tosin même. Avec les crampons orange, si je dis pas de oui, bêtises. Oui, le numéro 15, c'était Tosin. Excuse-moi, Thomas. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle que ce soit Tosin qui est tiré et pas Okita. Ça aurait peut-être terminé différemment. On se rappelle du but monstrueux hein, de Okita à la Praille pour l'égalisation du 2-2, si je dis pas de bêtises, vers la 55e minute de jeu. Bref, en tout cas, ce ballon a terminé à côté, en l'occurrence. Et heureusement pour les Servetiens qui vont pouvoir dégager alors qu'on a passé le premier quart d'heure de cette rencontre et qu'il y a toujours 0-0. Exactement. 16 minutes de jouer et Jeremy Frick qui va dégager son camp. Ronny Rodelin de la tête, ce ballon qui va passer vers Stevanovic. Cespedes qui laisse passer alors qu'il aurait dû toucher ce ballon. Boris Cespedes. Oh Boris, là. Ah, il est tombé là, c'est difficile son début de match à Cespedes. C'est Vouillot à présent qui met le pied sur le ballon avec Rouillé pour Moulin. Rouillé à nouveau. Ouais, pas beaucoup de solutions hein, pour Steve Rouillé. On sent que Timothée Cogna manque hein, dans cette équipe. Ouais, tout à fait. C'est vrai que Cogna a été annoncé blessé alors qu'il était présent à Vologne. Hein. Il s'est blessé sûrement à l'échauffement. Ah, mais il a beaucoup trop attendu, Ronny Rodelin. C'est... Alors qu'il y avait une faute là quand même. Il a été retenu par la défense adverse. C'est vraiment dommage. Là. Il y avait une grosse occasion pour les Servetiens. Maintenant, c'est peut-être grosse occasion pour les Zurichois avec Okita sur la gauche. Okita face à Bauer. Okita qui va se... affronter Moritz Bauer, Rokita sur son pied droit qui centre, que ça passe devant tout le monde heureusement pour les Grenats, mais dommage là de nouveau les Servetiens qui ont un petit peu de mal techniquement à prendre les bonnes décisions. Il y a beaucoup de petites erreurs techniques et notamment beaucoup malheureusement de la part de Boris Cespedes dans ce début de match. Ouais, c'est vrai que Boris Cespedes est dans un rôle qui lui convient peut-être pas forcément, ce rôle de Timothée Cogna de relier la défense et l'attaque. Peut-être pas son style de jeu à Boris Cespedes, alors que là il y a un ballon là, qui va revenir dans les pieds de Jeremy Frick. C'est oh un petit là peu là dangereux cette passe, et Frick est obligé de envoyer ce ballon en touche. C'est des approximations qui coûtent des ballons qui pourraient être importants hein, pour le Servette FC. Et attention à cette balle, c'est dégagé par Gaël Clichy heureusement, mais ça va revenir avec Kondé qui met dans la surface, Moritz Bauer qui est pressé
par Guerrero. Bauer qui n'a pas de solution, il dégage, mais il dégage bien en direction de Ronny Rodelin. Ronny Rodelin qui obtient la touche, non. La touche est pour les Zurich, quoi. Et petit geste pour agacer Metz là, de la part de Ronny Rodelin, d'envoyer le ballon vers son banc. Les Zurich, quoi, qui vont donc effectuer cette touche avec Guerrero. Guerrero qui est dans la zone technique de Alain Gaguerre pour le moment. Il attend de trouver des solutions avec peut-être Krasniqi devant lui. Il y a également Okita qui fait un appel. C'est pour Krasniqi, c'est bien joué. Les Servetiens qui se sont fait un petit peu avoir. Et le ballon va sortir à nouveau en touche pour les Zurichois, mais un petit peu plus proche côté du but de Germifique, alors qu'il y a déjà trois joueurs qui s'échauffent côté Servetien, que des jeunes de l'Académie, en l'occurrence Camara, Montero et Diaz, alors que la touche est effectuée avec Guerrero. Guerrero face à Stevanovic, Guerrero qui va revenir en arrière ou peut-être servir dans la surface, c'est bien joué, mais ça va être dégagé par Nicolas Vuillot très très haut en direction de Derek Kuteza qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce début de rencontre. Oui, c'est vrai, Kuteza qui avait pu. Oh, il y a une faute là. Bah, attention. Non, mais il y a une faute quand même. Une faute sur Steve Rouillet. J'ai toujours peur que l'arbitre ne siffle pas et que ça parte en grosse occasion là pour Tosin. En tout cas, un Kuteza qu'on a assez peu vu finalement dans cette première période, comme tu disais, mais qui a quand même pu toucher un ballon à un moment. Sa percussion et sa qualité de dribble, ça peut faire mal quand même à Zurich, surtout si les Zurichois ont le ballon. Ouais, c'est sûr, mais c'est peut-être que ce qu'on peut reprocher au Servette FC, c'est cette construction qui manque quand même beaucoup. Et on procède souvent par des longs ballons, et avec un Derek Kuteza dans l'équipe sur l'aile, c'est absolument quasiment impossible de le trouver en fait. On passe quasiment toujours sur la droite avec Stevanovic ou Rodelin. Là, on voit typiquement, Stevanovic et Rodelin qui se retrouvent sur la droite. On va certainement jouer sur eux, les grands gabarits Servetiens qui vont aller au duel avec justement Ronny Rodelin qui réussit son duel et qui va obtenir un corner. Donc en l'occurrence, là, c'était bien joué. Mais pour revenir à ce que je disais, pour un Derek Kuteza, c'est compliqué. Il touche très peu de ballons. Ouais, c'est clair que sur les dégagements, on préfère jouer en l'air, transversal pour la tête de Stevanovic ou de Rodelin. Kuteza qui est déjà un poil plus petit en taille et c'est pas ses qualités en fait finalement. Ouais. Donc c'est plus compliqué pour lui de s'exprimer. Pardon, excuse-moi. Alors qu'on va suivre ce corner, le deuxième corner servetien avec Patrick Fluquet. À nouveau, c'est parti pour Fluquet, c'est bien tiré la tête. Oh, l'arrêt incroyable de Brecher sur cette tête de Nicolas Vuillot, dommage. Magnifique corner de Fluquet et magnifique déviation de la tête au premier poteau de Nicolas Vuillot, mais directement dans les gants de Yannick Bachar qui s'en est bien sorti. Est-ce que toi, tu t'en es bien sorti avec cette toux? Ouais, je suis de retour. Petit chat dans la gorge, mais tout va bien. Stevanovic pour Bauer. Bauer sur le côté droit. Bauer qui tente de dribbler. Là, il est mis sous pression. Il n'a aucune solution, hein, Moritz Bauer. Et bonne récupération de la part de Krasniqi. Krasniqi. Oh, bien joué, Dolin. Première faute. Bien joué. Et il va obtenir une faute. Ah, ce que je voulais dire, c'est que aussi peut-être les problèmes qu'a rencontré Kuteza, c'est les problèmes qu'a rencontré Patrick Fluke en début de saison. Justement sur ce jeu, Patrick Fluke, lui, c'est pas du tout ses qualités, donc c'est plus compliqué pour lui de s'exprimer. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, Juan, que tu as des flashbacks de la première mi-temps face à Volonne, je pense qu'on peut pas comparer les deux parce que déjà c'est pas du tout le même niveau en face. Et franchement, le Servette FC en l'occurrence dans cette première mi-temps, je trouve personnellement qu'il joue bien. Franchement, il joue bien, ils sont dangereux. Après voilà, il y a quelques erreurs techniques qui les péjorent, mais voilà, on va suivre ce coup franc avec Fluquet à nouveau. De nouveau, ce ballon qui ne décolle pas. Et attention, on compte maintenant avec Okita face à Fluquet et face à Cliché, mais magnifiquement bien joué de Patrick Fluquet qui va servir Moritz Bauer. Bauer avec Cespedes qui perd un ballon face à Marquezano. Attention là, Marquezano et Cliché qui est arrivé en deuxième rideau là pour un peu sauver le Servette FC. Mais attention à ces ballons perdus par Boris Cespedes. Ça peut donner vraiment des contre-attaques dangereuses. Ouais. Ouais, il faut vraiment. Il fait pas une bonne première mi-temps, Boris Cespedes. Pour l'instant, ces 20 premières minutes de Boris Cespedes sont vraiment pas terribles. Et on espère qu'il va réussir à retrouver son niveau de jeu, Boris Cespedes. C'est vrai qu'ils ont David Doulin aussi. Hein. Bon, David Doulin, ça n'a pas l'air de le toucher, mais ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble dans un double pivot. Hein. C'est vrai. Et il me semble que la dernière fois qu'ils avaient joué ensemble, c'était à Bâle la saison dernière et Servette avait perdu 5-0 ou 5-1. Les bons souvenirs. Les bons souvenirs qui sont toujours rappelés par cette Zinguignas. Eh oui, bravo la Zinguignas.
T'es content d'avoir... Je suis content d'avoir placé. Même si c'est pas spécialement ce mot que j'étais censé placer. ce surnom, l'équipe de communication du Servette FC t'a trouvé. Et on repart en contre, c'est bien joué ça. Et dommage la déviation de Ronny Rodelin. Et c'est récupéré par les Uriquois. Marquezano sur la droite avec Tosin. Le centre de Tosin au deuxième poteau, bien défendu de Vio. Cespedes qui monte au duel. Et dégagement bien joué de Vio, ce dégagement pour Ronny Rodelin qui... Mais il était avant le milieu de terrain. Il me semblait pas qu'il était aujourd'hui. Bah, il me semblait pas, en tout cas, quand Berry était là. Bah ouais. Bah bon. D'ailleurs, on en parlait avant de lancer le live, en plus dans la voiture. Très déçu de ne pas avoir la deuxième manche du duel Cambéry-Crivelli. Ouais, effectivement. On aurait bien voulu voir, mais bon, Enzo Crivelli qui est encore blessé ouais. Et qui devrait revenir après le mondial. Ouais, normalement, ça devrait aller après le mondial. C'est vrai que c'est dans deux mois et demi, finalement. J'imagine. En tout cas, Chris Bedia a teasé son retour, lui, sur les réseaux sociaux. Ouais. Retour pour ces camps d'entraînement de cet hiver. Ouais. Les Servettiens qui partiront deux fois, une fois en décembre, une fois en janvier pour préparer la deuxième partie de saison. C'est quasiment une deuxième saison qui commencera fin janvier. On revient au match avec Krasniqi face à Cespedes. Krasniqi pour Marquezano, Tosin qui a un petit peu d'espace, Tosin face à Bauer. Il joue sur la gauche avec Guerrero. On est à la hauteur de la surface de réparation. On revient en retrait sur Metz. Metz qui cherche des solutions, qui va mettre dans la surface pour Krasniqi. C'est bien joué de Krasniqi face à Krasniqi. Et Vio a pu même obtenir le dégagement pour son gardien. Effectivement, il a poussé un petit peu Krasniqi, c'était à l'expérience, même si c'est pas le joueur qui en a le plus. C'est très bien joué. Nicolas Vio qui comprend. Je n'arrive plus à parler. Il commence à prendre une dimension vraiment intéressante. Oui, c'est sûr. Et il faudrait le prolonger maintenant. David Doulin, qui a son contrat. J'ai compris, David. J'ai dit Vouillot. T'es sûr ? Certain. Ok. Alors, moi, je t'écoute bien. Pose pas de questions. oui, Vouillot qui prend aussi une nouvelle dimension cette saison. Faut pas oublier que ça fait même pas une saison. Enfin, ça fait une saison à peu près qu'il joue vraiment régulièrement. Ouais, c'est clair. Et non, mais t'as raison sur le fait qu'il faut prolonger Doulin aussi. Ouais. On nous pose la question de qui est-ce qui domine. Alors, il n'y a pas vraiment de domination certaine. En tout cas, on peut dire que depuis quelques minutes, c'est plus Servette qui a le ballon et Zurich qui procède par contre. Ouais. Un petit peu le contraire des premières minutes. Ouais. Effectivement. Et attention à Bauer qui monte très très haut. C'est un peu dangereux. Ouh là là, il y a une faute là. Oh, grosse faute là quand même de Tosin sur Nicolas Vuillot. Ça pourrait même mériter un carton jaune ça quand même. Hein. Ouais, le pied est arrivé au visage de Vuillot. On se rappelle quand même d'un pied levé comme ça de Steve Rouillet. Ouais. Bon, évidemment, Steve Rouillet avait complètement démoli le visage de Cellar. Merci, Jean Cellar. Mais là, il y a quand même un pied très, très levé de la part d'un Zurichois sur Nicolas Vuillot et l'arbitre ne met même pas de carton jaune. Alors, on nous parle dans le chat également de Patrick Fluquet qui est très bon ces derniers temps. Quel est ton avis là-dessus ? Ouais, effectivement, Patrick Fluquet qui a eu un petit coup de mou. Il a eu un petit peu de mal à s'adapter. Ensuite, il a été très très bon. Un petit coup de mou. Et là, maintenant, il recommence à être vraiment excellent. Là, dans ce début de rencontre, il est bon. Malheureusement, il a eu quelques possibilités de mettre des bons ballons dans la surface. Et deux fois sur trois, le ballon n'est simplement pas décollé. Sur des corners notamment. Et c'est un petit peu dommage. Ça gâche un peu des occasions. Ouais, et on le voit pas non plus énormément à Patrick Fluquet au début de match. Un peu comme Derek Kuteza, c'est intéressant, mais on n'en voit pas assez. Effectivement. Alors que Frick est vraiment pas content. Il reparle avec l'arbitre. Ouais, ouais. Mais et Bauer aussi, on sait pas vraiment ce qui se passe. Hein. Pourquoi, à ton avis, c'est que... Peut-être de l'énervement dû à peut-être là le joueur en l'occurrence qui est pas extrêmement bien protégé avec un Nicolas Vuillot qui aurait pu être blessé sur cette action et puis. Il n'y a pas spécialement d'avertissement de l'arbitre qui n'a même pas averti verbalement, il me semble. Tosin. Voilà, c'est ça. Alors que Brecher va pouvoir récupérer un ballon dans ses gants. Yannick Brecher qui était dans la forme de sa vie la saison dernière, un peu comme toute l'équipe Zurichoise. Absolument. Hein. Ouais. Et Zurich a eu énormément de transferts cet été, beaucoup de départs. On savait que cette saison allait être plus compliquée, mais alors pas à ce point. Hein. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Ouais, effectivement. Déjà, la saison dernière, on ne pensait pas forcément que les Uruguayens tiendraient tout au long de la saison. Ils ont réussi à le faire. Et là, on se disait qu'ils auraient du mal. On les voyait peut-être quand même dans les premières places, mais peut-être dans les quatre premières et pas forcément mieux. Et bien, c'est beaucoup plus catastrophique que ça. Ouais, tout à fait. Et ils ont même perdu leur coach, Brighton Reiter, qui est parti du côté d'Offenheim. Et on a presque tendance à oublier qu'il y a déjà un coach qui a été limogé côté Uruguayens dans ce début de saison avec Franco Foda qui n'a fait que quelques matchs avant d'être limogé par la famille Canepa.
Et attention maintenant aux Uruguayens dans la surface avec une déviation devant Jérémy Frick. Heureusement, Jérémy Frick a très très bien anticipé et s'est couché sur le ballon pour récupérer cette balle. Ouais, exactement. Et Jérémy Frick qui va pouvoir dégager. Alors, il prend vraiment son temps là, Jérémy Frick. Hein. Il est toujours le ballon dans les mains. Il fait des feintes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Long dégagement là. Direction de Stevanovic. Stevanovic qui perd son duel de la tête face. Il y a un gros problème avec ce Stan Fastnacht aujourd'hui. Alors qu'il y a une question de jeu 14, on va y répondre. Comment on peut expliquer que Ronny Rodelin est titulaire depuis 2 ans alors que selon toi il n'a quasiment rien montré. C'est vrai qu'il est très très critiqué, hein, Ronny Rodelin, depuis son arrivée au Servette FC, avec notamment une nonchalance qui est beaucoup pointée du doigt. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, Ethan, de ce Ronny Rodelin depuis qu'il est au Servette FC. Il a un avantage aussi que. Oh, bien joué là de Stevanovic. Désolé, je t'ai interrompu. C'est qu'il est extrêmement polyvalent. Ouais. Il peut jouer comme pointe de l'attaque, sur une aile, au milieu de terrain. Donc déjà, ça va offrir à Alain Gaillard plein de possibilités. C'est aussi un joueur qui, techniquement, on le sent qu'il est quand même au-dessus. Oui. Il est très fort techniquement. Ouais. Et voilà. Après, c'est jamais un joueur qui a marqué énormément de buts dans sa carrière. Hein. Il n'a jamais fait une saison à 20 buts. Il a peut-être fait une saison à plus de 10 buts dans sa carrière et c'est tout. Mais techniquement, c'est ça. En fait, c'est qu'il est capable d'apporter beaucoup sur des fulgurances. En fait. Ouais, une petite déviation. Voilà, une petite déviation de génie, des buts de génie. On en a vu quelques-uns. Donc, voilà, c'est quelqu'un de très, très imprévisible. Et d'un match à l'autre, il peut être monstrueux. Et le match d'après, il sera scandaleux pour ne pas mâcher nos mots. Et c'est vrai que du coup, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec lui. On ne sait jamais si ce sera le bon ou le mauvais Ronny Rodelin. Mais je pense qu'il peut apporter tellement en termes de coup de génie que c'est difficile de se dire « Ok, on ne le met pas du tout parce qu'il n'apporte pas assez ». Après, c'est vrai que sur une défense, il n'a pas beaucoup de poids typiquement. Et aussi en termes d'expérience, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience, qui a joué de nombreuses années en Ligue 1. Donc ouais, je pense qu'il peut apporter aussi ça dans le vestiaire et à l'entraînement. Tout ça. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'après, c'est aussi, y a quand même un point qui est intéressant. Un joueur qui est nonchalant sur le terrain ne l'est pas forcément dans sa tête. Dans le sens où il peut être nonchalant, on a l'impression qu'il est nonchalant, mais c'est peut-être juste sa morphologie qui fait qu'on a l'impression qu'il est nonchalant. Et des fois, attention à cette balle-là. Il n'y a personne pour couvrir Tosin. Tosin qui se retrouve dans la surface. Attention à Tosin. Le centre en retrait avec Okita qui fait un contrôle orienté qui a heureusement bien été couvert par Steve Royer. Mais attention, ça revient avec Guerrero. Guerrero qui peut avancer. Guerrero en retrait sur Kondé. Bien joué de Kondé face à Fluquet pour Guerrero. Guerrero sur la gauche avec Okita. Attention, c'est dangereux là. Les Uruguayens qui arrivent dans la surface. Bauer qui défend mal. Et la goal. L'ouverture du score pour le FC Zurich avec Moritz Bauer qui a malheureusement laissé Okita centrer un peu trop facilement et une déviation. Il est parti très très loin. Ouais. Et une déviation de la tête au premier poteau de Tosin, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui a pu placer sa tête sans trop de problèmes et 1-0 pour le FC Zurich à la 31e minute de jeu. Bon. Ouais. C'est difficile de rebondir, on s'y attendait pas forcément, là une action un petit peu venue nulle part. Et ça fait 1-0 pour Zurich. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions sur le chat, histoire qu'on discute et qu'on parle de football et du Servette FC. Mais là les Servetteurs qui se font avoir beaucoup trop facilement. Hein. On a vu déjà un appel de Tosin sur la gauche qui était absolument tout seul, on sait pas trop pourquoi, et puis après la défense là elle laisse beaucoup trop jouer et ça fait 1-0 pour le FC Zurich. Ouais, tout à fait, le crochet est joli et Bauer est presque sorti du terrain tellement qu'il s'est fait avoir quoi. Du coup ça a ouvert le champ à Tosin pour le centre, mais c'est vrai que il y avait personne aussi pour embêter le buteur. Non, finalement. Non. Il était tout seul, ouais. Et il a eu tout le temps de mettre sa tête. Et le ballon qui rentre vraiment lentement en plus dans le but. Ouais, hein. Peut-être que même que Jérémy Frick aurait pu faire l'arrêt, je ne sais pas. Moi je pense que le ballon entre lentement dans le but, mais était déjà hors de portée de Jérémy Frick. Oui, possible, mais tu vois, je pense que plusieurs joueurs ont fait faux sur ce but. Ouais, mais de nouveau, les Servettiens qui tendance à dire s'endorment un petit peu des fois quand même. Ont beaucoup de mal à emballer les matchs. Et des fois ça se paye. Ça manque de folie. En fait. Ouais, ça manque de folie et malheureusement ça manque de folie parce qu'on joue quasiment que en l'air en permanence. On joue que avec des longs ballons en direction de Rodelin ou de Stevanovic et très, très souvent les duels sont perdus et puis ça offre à l'adversaire de la facilité. Alors
Donc on a changé de groupe à l'échauffement. Maintenant on a Lélé Diba, Fofana et Manien. On y va 3 par 3 à l'échauffement. Sur cette, ça c'est drôle, hein, c'est une fausse pelouse qui est posée sur le synthétique pour que les joueurs s'échauffent. C'est assez unique. Alors qu'il y a un centre zurichois là, ouais. Enfin, un centre qui va sortir. Qui a été dévié. Et qui a été dévié, ouais. Corner finalement, ce sera pas une sortie de but pour Jérémy Frick. Et si tu regardes Thomas, tu peux voir la Sud Curveux qui a mis. Il y a une paquette sur les fumigènes, hein. Il y a de la fumée qui sort du stade. Ouais, ouais, effectivement, la suite courvée qui est toujours belle à voir, hein. Simplement c'est une belle ambiance, ça il n'y a rien à dire, mais les Servettiens vont devoir en mettre de l'ambiance pour leur section Grenat qui a fait le déplacement. Mais maintenant on va suivre ce corner côté Zurichois, une nouvelle occasion, hein, pour les Zurichois qui étaient un petit peu en difficulté et puis qui depuis le but maintenant évidemment mettent la pression. Et c'est parti pour Kita au premier poteau, c'est dégagé par Stevanovic sans trop de difficulté, mais directement en touche. Ouais, les Servettiens, on les sent un petit peu, ils ont pris un coup sur la tête avec ce but. Ouais, tout à fait, hein, ça... Déjà que ça va, t'es pas une équipe qui, comme tu disais, emballe les matchs, met beaucoup d'émotions. De prendre un but alors que ça va être le ballon, j'ai l'impression que ça fait relativement mal quand même aux Servettiens. Mais voilà, on voit ce FC Zurich qui rejoue entre guillemets un petit peu à son niveau et qui alors que là, selon moi, il n'y avait pas de faute, hein, sur David Doulin. Les Zurichois avaient. David Doulin joue quand même très intelligemment tous les coups. Oui. Alors que Kita, au bout d'un moment, il faut qu'il arrête de se mettre devant le ballon à chaque fois, et ça mériterait un avertissement quand même de la part de Monsieur Tourquès. Alors que c'est Jérémy Frick qui va venir tirer ce coup franc et qui avance encore le ballon. Il faut qu'il fasse attention quand même, Jérémy Frick, hein, pas de prendre un carton jaune. Jérémy Frick en direction de Rodelin. Rodelin qui rate le ballon et ça va être dégagé par Katic. Rouillé pour plus que avec Doulin. Doulin sur Rouillé à présent. Rouillé qui essaie de se projeter. Il va jouer avec Kuteza. Il a été pris par 4 joueurs Zurich. Voilà, derrière Kuteza, attention à la contre-attaque. Tozin à présent. Tozin qui a de la place, il va frapper Tozin. Et peut-être une légère faute de David Doulin. Peut-être. Pas selon M. Turquiès, pour moi il y avait faute, mais bon. C'était peut-être une simulation aussi. Aussi, hein. ouais. Aussi, mais c'est vrai que de notre point de vue, pour moi, il y avait faute. Oh là là. Attention à quelle erreur là de... Non, c'était pas une erreur, c'est le terrain qui est scandaleux aussi, à Zurich, avec un ballon qui a rebondi. Il a raté le ballon, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Mais alors, il pouvait rien faire. C'était vraiment, tu sais, comme quand ce ballon passe par-dessus le pied du gardien sur des passes en retrait, vraiment rien à faire. Pour répondre à ta question, GE14 sur Jérémy Frick, en l'occurrence, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que j'avais plutôt l'impression que c'était la saison dernière que Jérémy Frick était vraiment en dessous. Et là, cette saison, je pense qu'il y a beaucoup de matchs où. Il revient très fort. Il nous sauve pas mal. Et un par un. On peut, si tu arrives. À Bâle, Sion, tous ces matchs-là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Même Saint-Gall, Ferreur. Ouais. Alors que les Zurichois, du coup, repartent. Mais oui, pour répondre, du coup, moi, je pense qu'il est quand même à un bon niveau cette saison. Alors que Boraniazevic, accélère face à Stevanovic, mais très très bon retour de Stevanovic. Alors que là, les Servettiens peuvent repartir. Une faute sur Stevanovic de la part de Tozin. Et les Servettiens obtiennent donc un coup franc. Mais ouais, les Servettiens ont un petit peu, quand même un peu de mal, hein, dans cette rencontre. Il reste 10 minutes dans cette première mi-temps et il va falloir trouver des solutions face à une équipe de Zurich qui est vraiment bien placée et il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ouais, non, Zurich qui est bien en place, hein, dans ce match et qui, maintenant qu'il a marqué, je pense, ne laissera absolument rien aux Servettiens. Ils n'ont rien à perdre, hein, Zurich, finalement. Ils sont au dernier du classement, ils ont plusieurs points de retard. Donc ils vont tout faire pour... Bon, ils ont plutôt tout à perdre en l'occurrence, du coup. Parce que s'ils perdent, ils sont de plus en plus en difficulté. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, je veux dire ils sont obligés plutôt de gagner quand même. Bah ouais, c'est ça que je veux dire. Enfin, dans le sens, ils vont défendre. Oui. Bon, c'est ce qui va se passer. Bien joué, ça, de Rodelin pour Kuteza. Magnifique transversal. Rodelin pour Kuteza. Kuteza sur son pied droit qui frappe directement. Malheureusement, c'est contré par Camberi. Mais là, c'était bien joué des Servettiens qui ont joué. Et essayé de jouer un petit peu plus au sol avec un centre de Clichy dégagé par Camberi. Ça va sortir en touche. Mais il y a quand même de la place, moi j'ai l'impression, pour faire des différences. Oui, bien sûr. Mais il faut y parvenir, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça va être, des fois, ça complique un peu la vie. On joue tout le temps dans les airs. C'est pas quelque chose de facile. Surtout que ça va être marqué quand même assez peu de la tête, finalement. Ouais. Et donc, peu tout court, hein, simplement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, il faudrait peut-être trouver une autre solution. Avec Kuteza, ils sont dans des petits espaces. C'est ce qu'il arrive à s'en sortir. Et c'est Clichy qui va rejouer sur Kuteza. Kuteza face à Camberi, il essaie de provoquer, il est passé derrière Kuteza, centre de Kuteza, et il n'y aura personne à la réception. Doulin qui se bat face à Marquezano, mais c'est récupéré par le camp zurichois.
Et Zurich qui va dégager, mais ça va être sans danger et revenir dans... Attention à Nicolas Vouillot qui glisse. Nicolas Vouillot qui offre une possibilité là au FC Zurich. Avec un ballon qui va revenir sur Steve Rouillet. Rouillet, qu'est-ce qu'il fait? Il perd le ballon aussi. Il se bat, Steve Rouillet met le ballon qui va revenir sur Guerrero. Guerrero dans la surface. Guerrero qui centre. Vouillot, Bauer et Stevanovic Frick qui va bloquer ce ballon. Compliqué, hein, franchement compliqué. Ouais. Les Servetiens qui se mettent en difficulté tout seuls. Là, bien joué de Fluquet pour Rodelin. Rodelin pour Stevanovic. Trop joué facilement et malheureusement. Il y a Stevanovic qui laisse le pied sur Metz. Ça ne mérite pas un carton jaune, c'est pas possible. C'est la première faute de Stevanovic. Les Zurichois font des fautes en permanence et il n'y a pas un seul carton jaune qui est distribué. Il faut arrêter. La première faute de la saison, peut-être, de Stevanovic. Ouais, ouais, c'est incroyable. Et ça sera un carton jaune. Alors, je vais te dire exactement combien de cartons jaunes Miroslav Stevanovic a pris cette saison. C'est son premier. Bah, voilà. Son premier carton jaune à Miroslav Stevanovic. Et ça nous ramène à notre. La petite analyse qu'avait faite Diego Esteban sur le nombre de fautes qui valaient des cartons jaunes côté des équipes de Super League. Et puis voilà, Servette se retrouvait avec un ratio assez scandaleux, avec très très peu de fautes en fait qui valaient un carton jaune par rapport à d'autres équipes où on leur permettait beaucoup de fautes avant de les avertir. Ouais, il n'y a que Diego Esteban pour faire des statistiques comme ça. Je dire. Il a un tableau Excel où il a calculé tous les coefficients d'Europe, de tous les pays. Hein. C'est ça. Ce qui est quand même assez dingue. Hein. Bah voilà, d'ailleurs, on le remercie pour toutes ces statistiques. 8 fautes à 3. 8 fautes à 3 pour Zurich contre Servette. Et le carton jaune, il est de quel côté d'après toi? Eh bah forcément, il est du côté du Servette FC avec Stevanovic qui a été averti. Après, la faute, il laisse traîner le pied. Bien sûr. Non, mais là, en l'occurrence, il y a faute. Là, il y a aucun doute. Et puis, il y a même très certainement carton jaune. Après, il aurait pu donner un carton jaune sur le balle, le pied haut sur Nicolas Vouillot. C'est ça. Pour moi, c'est là que... Ouais. C'est pas très cohérent. Ouais, voilà. C'est plus à ce niveau-là. Je te l'accorde. Servettiens qui vont essayer de revenir au score dans cette fin de première mi-temps, 40e minute, toujours 1-0. À noter aussi en Challenge League que Ville est en train de mener 3-0 contre FC Arras. Ville, solide leader de Challenge League, qui fait une très très bonne première partie de saison. On revient. Ce serait pas une surprise si Ville soit le premier en Super League l'année prochaine. Est-ce que Ville a même les infrastructures pour monter? On sait que leur stade est quand même assez nouveau et c'est pas impossible, mais voilà. C'est... Je pense que oui. J'en ai aucune idée. Je connais bien le stade de Ville, mais je connais moins les. ce qu'il faut en fait simplement en Super League pour être accepté. On revient à cette rencontre avec une balle en profondeur sur la droite pour Boranjasevic en retrait sur Cambéry qui va laisser passer, gros pressing de Kuteza. On voit que Kuteza, il a été bien formé par Peter Zeidler avec du gros pressing, avec grosse intensité, mais il n'est pas spécialement suivi par Ronny Rodelin, Patrick Fluquet, Miroslav Stevanovic, certainement des consignes de Alain Geiger. Ouais, effectivement, Gaillard, c'est pas forcément le coach qui met le plus en avant le pressing. Donc, alors que là, il y a Doulin qui reste à terre. On n'aime pas trop voir ça, quoi. David Doulin est à terre. Et Guerrero, là, qui joue bien le coup avec Marquezano pour Tezine. La frappe de Tezine s'est contrée et ça va revenir dans les pieds de Jeremy Frick. Mais David Doulin qui se relève. Il cherchait peut-être la faute pour stopper le contre. Ouais, il semblait avoir reçu un petit coup. Mais voilà, il n'a... Heureusement, il n'a pas eu mal, en tout cas, il n'est pas blessé. Quoi. GE14 qui nous dit ce serait top de voir Toiti en deuxième période. Alors, toi, que tu es un grand fan de Saint Toiti, donc je vais te laisser répondre. Alors, effectivement, hein, ça pourrait apporter un petit peu de folie, justement, cette folie dont on parle. Peut-être qu'un Fofana, un Toiti, un Magnan même, hein, qui apporterait tous un petit peu de la folie. C'est ce qu'on avait eu du côté de Volonne, avec une première mi-temps très, très léthargique des Servettiens. Des changements qui avaient apporté, justement, ce petit brin de folie qui avait. Débouché sur de nombreuses actions servettiennes et peut-être que ça peut faire la différence dans cette deuxième mi-temps qui arrive bientôt. Alors que justement, Toiti est à l'échauffement à présent avec Anthony Baron. Les Zurichois qui repartent avec Condé face à Cespedes. Bien joué de Condé qui est un très très bon milieu défensif. Condé pour Boranjasevic. Déviation de Boranjasevic en direction de Tezine. C'est contrôlé par Rouillet. Rouillet pour Clichy. Clichy qui remet à Rouillet. Rouillet dans l'axe. C'est bien joué pour Doulin, mais c'est un peu trop fort malheureusement. Et c'est récupéré par les Zurichois avec Marquezano. Non, c'est Krasniqi. Krasniqi qui va peut-être s'entrer dans la surface. C'était bien vu, mais c'est mal joué. Et c'est récupéré par les Zurichois. Avec Fluquet. Fluquet pour Stevanovic. Il y a un appel de Bauer. On préfère jouer en retrait sur Nicolas Vuillot. Avec Gaël Clichy à présent. On a presque l'impression que Clichy joue dans l'axe et c'est Rouillet qui est ouais, à gauche. Ouais. C'est souvent ce qui se passe depuis quelques minutes. C'est assez surprenant. En tout cas, avec Doulin
pour Frick. Bauer qui demande le ballon, mais je ne suis pas sûr qu'il sera servi. Il va jouer avec Cespedes dans l'axe, avec Vuillot à présent. Vuillot qui cherche des solutions, il va trouver Ronny Rodelin. Déviation de Ronny Rodelin, c'est bien joué. Là, ça va arriver de, sur Stevanovic. Il y a Bauer qui se propose, Stevanovic qui obtient une touche suite à cette, ce petit tacle de Metz. Ouais, avec, avec Bauer qui va pouvoir effectuer cette touche pour Stevanovic. Stevanovic, retour à Bauer, c'est bien joué. Bauer qui n'est pas hors jeu. Le centre de Bauer au deuxième poteau, c'est bien vu. Ça va arriver jusqu'à Fluquet. Fluquet qui contrôle la frappe de Fluquet. C'est sorti de la tête par Katic. Ça revient avec un dégagement de Tosin en direction de Okita. Vuillot au duel face à Okita. Okita qui passe. Okita qui passe face à Vuillot. Attention, il y a au deuxième poteau, il y a Tosin. Okita tout seul. Okita qui va mettre au deuxième poteau sur Marquezano qui frappe. Et quelle parade de Jérémy Frick alors que. Il y a une faute apparemment de Tosin, je ne suis pas convaincu. Pour moi, il y a beaucoup plus de faute de Vuillot. De Vuillot que de Tosin. Avantage au défenseur, heureusement pour Servette. Mais voilà, pas convaincu. Mais tant mieux pour le Servette FC. Et on joue la 44e minute. Et c'est là qu'on voit quand même que Patrick Fluquet, il n'a pas de pied droit. Hein, parce qu'il essaye que des frappes de l'extérieur du pied gauche quand il se retrouve dans cette situation. Et c'est dommage parce qu'il avait quand même un peu de temps. Et il y avait peut-être mieux à faire, en tout cas pour Patrick Fluquet. Patrick Fluquet, justement, qui joue dans la profondeur pour Kuteza, mais ce ballon qui va sortir du terrain. Et il y aura une touche donc pour Borinjasevic et le FCZ. On est à la 44e minute de jeu. Nous approchons gentiment de la mi-temps. Est-ce qu'il faudrait faire des changements selon toi? C'est compliqué à dire, hein, parce que l'équipe ne fonctionne pas si mal que ça. Et c'est juste que voilà, il manque peut-être un petit peu de jeu au sol, mais comment tu... est-ce que peut-être un Camara aurait peut-être pu avoir sa place à la place de Cespedes, par exemple. Ouais, effectivement. Mais je crois pas spécialement en un changement Cespedes-Camara à la mi-temps, non, en tout cas. Non, plus, mais c'était juste... Mais alors moi, j'aimerais bien, en tout cas. Enfin, Camara a un profil plus semblable à Konya que Cespedes. Oui, effectivement. Rodelin pour Clichy. Clichy qui écarte pour Kuteza. La vitesse de Kuteza face à Borinjasevic. Bien joué de Kuteza. Kuteza qui obtient le corner. Normalement, le ballon était sorti. Alors, on était vraiment sur la ligne. Et il me semblait vraiment que le ballon était sorti en touche. Mais non, selon monsieur l'arbitre. Et on va arriver dans le temps additionnel. Il reste 15 secondes à jouer dans ce temps réglementaire. Une ou deux minutes, certainement, dans ce temps additionnel. Ouais, je pense une minute. Hein, ouais. Quoi, avant que le. La mi-temps soit sifflée, voilà. Une minute de temps additionnel donc pour cette rencontre avec Okita au duel face à Vio. Bien joué de Vio. Et c'est récupéré par Rouillet. Rouillet pour Moritz Bauer. Bauer qui avance. Bauer qui cherche des solutions et préfère revenir directement sur Vio. Vio qui écarte pour Steve Rouillet. Steve Rouillet qui avance. Il n'y a vraiment pas beaucoup de solutions. En fait, c'est vraiment que des solutions avec des balles en l'air. C'est vraiment compliqué pour les Grenats avec Vuillot qui va justement peut-être servir en profondeur. Non, il préfère c'est jouer. C'est toujours le même problème. Hein. Dès que le bloc est regroupé, Servette n'arrive pas à proposer du jeu. Et non. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra régler durant cet hiver. Et c'est Zurich qui va récupérer le ballon. Encore une fois, sur un ballon en l'air plutôt mal donné. Il y aura une touche là qui va être effectuée par Clichy. Il reste 10 secondes, les Servettiens qui n'auront pas de dernière occasion. Et on va rentrer normalement au vestiaire sur ce score de 1-0 pour le FC Zurich. Voilà qui est fait avec Gaël Clichy qui ne joue jamais la touche. Hein, vraiment. Ouais, il n'a jamais joué. Il a attendu la balle dans les mains pendant 20 minutes. Et notre invité arrive déjà, Hugo Curti, sur cette fin de première mi-temps. Voilà Ethan, je te propose de donner ce casque à Hugo Curti que l'on accueille avec plaisir. Merci Hugo de venir nous rejoindre pour parler, déjà faire un petit débrief hein, de cette première mi-temps si tu le veux bien. Et après on parlera de ce qu'on vous a dit sur les réseaux sociaux, en l'occurrence de cette nouvelle formule de Super League qui a été adoptée dans un deuxième temps, à savoir la formule écossaise qui a été adoptée. Et bien déjà, salut à toi Hugo, comment tu vas après cette belle première mi-temps que l'on a assisté ici? Bah, ça va bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. J'avais presque failli rater le micro. non, ça va bien. Une première mi-temps donc qui s'est déroulée ici entre Zurich et Servette. Zurich qui mène 1-0. Est-ce que tu as déjà simplement une première analyse à nous dire sur cette première mi-temps? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Mais comme souvent, Servette cette saison, je trouve assez frustrant parce qu'on sent vraiment après 15-20 minutes que potentiellement il y a de la place, que Zurich n'est pas non plus impressionnant et puis ouais, il manque un peu ce pas vers l'avant et donc voilà, un peu frustrant. Ouais, un petit peu frustrant, ça va, ce Servette FC qui donne l'impression d'avoir un petit peu le pied sur le ballon, le match en main, qui sur quand même quelques erreurs défensives. D'affilée encaisse l'ouverture du score, mais bref, voilà. Qui subit quand même pas mal, hein, je trouve. Alors, absolument, oui, qui a du mal et notamment qui a beaucoup de mal à construire. C'est toujours un petit peu ce qu'on reproche à ce Servette FC. On verra ce qu'il en sera dans cette deuxième mi-temps si Alain Gaguerre parvient à apporter d'autres solutions. On verra ce que ça donne. Mais voilà, durant cette mi-temps, on va parler un petit peu de ce qui se passe en coulisses et de ce qui se passe notamment au niveau de la SFL et des décisions qui ont été prises il y a quelques mois. Il y avait eu une première décision qui avait été prise avec l'introduction d'une nouvelle formule, une toute nouvelle formule avec voilà, quelques tours, enfin deux tours en l'occurrence, et des play-offs ensuite qui seraient joués. Cette formule a donc été révoquée après plusieurs plaintes, notamment des clubs, des supporters, etc. Qu'est-ce que déjà, toi, tu en pensais de cette première formule qui avait été adoptée avec ces play-offs ? Bon, elle n'est pas parfaite. Hein. Feuille disait sur Blink, pour ne pas citer, que ce n'était pas une formule magique. Je suis d'accord, il y a des imperfections. Mais moi, je trouve quand même assez dingue de revenir 5 mois plus tard, de changer d'avis quand on vote oui à 16 voix sur 20 en mai et que tout d'un coup, en novembre, on vient chercher un truc qu'on avait refusé il y a 2 ans. Enfin, je trouve que d'un point de vue de vision et de leadership des dirigeants suisses, ouais, ils n'ont pas brillé sur ce coup-là. Ouais, effectivement, ça donne pas une très très bonne impression. On a presque envie de dire que ça donne un sentiment un peu de ridicule hein, du côté de la SFL qui... on va dire c'est un peu couché sur les volontés des supporters notamment qui ont mis des banderoles dans leur stade pendant des semaines et des semaines contre ces playoffs. Mais voilà, moi je sais pas ce que t'en penses, mais j'aurais trouvé simplement juste normal de tenter la formule et de voir que les résultats fonctionnent pas en termes de billetterie, en termes d'intérêt du championnat, là on peut rediscuter. Mais là, la formule qui est morte dans l'œuf, ça n'a pas grand sens. Moi, j'étais assez défenseur de ces play-offs. Je sais que c'est pas un avis qui est partagé par la majorité des gens, surtout en tribune et dans les clubs de supporters, ce que je peux comprendre. Mais moi, je trouve que ce modèle écossais est quand même hallucinant, parce qu'il, vu que c'est sur 3 tours complets, il est déséquilibré. Donc, on vient de parler d'équité sportive, mais ce modèle me paraît compliqué. Et aussi, un point dont on a un peu parlé, c'est qu'il rajoute 48 matchs. Et en fait, on estime que c'est 1,5 million de coûts en plus pour les opérateurs, enfin en l'occurrence pour Blue. Et donc, ça voudrait dire que tout ça, tout cet argent, ça va être en gros, a priori, enlevé de ce que touchent les clubs. Donc, c'est un choix qui coûte en gros 1,5 million aux clubs suisses. Et ce qui, à l'échelle de notre petit championnat, est quand même pas anodin. Donc, j'ai vraiment peu d'arguments en faveur de ce championnat écossais. En plus, je crois que ça fait depuis 1985 que c'est Celtic ou les Rangers qui gagnent. Ouais. Donc, en termes de suspense sportif, on peut repasser. En termes de suspense sportif, on peut repasser. En termes d'équité, comme tu dis, il y a notamment un point qui paraît complètement hallucinant. Il y a 33 matchs. Donc, ça veut dire que chaque équipe joue 3 fois contre chacune des autres équipes. Qu'est-ce que ça va donner en termes de domicile extérieur ? Est-ce que ça va être tiré au sort de savoir quelle équipe va recevoir 2 fois, quelle équipe va aller 1 fois à l'extérieur ? Comment ça va se passer ? Alors, merci pour cette colle. j'ai cru comprendre qu'ils auraient un calcul en fait en fonction des résultats pour essayer de balancer avec des indicatifs sur la valeur des équipes. Mais en fait, ça change d'une année à l'autre. Il n'y a qu'à voir le FC Zurich. Si on joue le FC Zurich du mois de septembre de cette année ou le FC Zurich du mois de mars, c'est quand même pas les mêmes équipes. Vraiment, même s'ils essayent de bricoler un truc, ce sera quand même un peu compliqué en termes d'équité sportive. Ouais, c'est vrai que ça pose vraiment beaucoup de questions. On a l'impression que ça a été un petit peu choisi à la va-vite en plus, parce que la proposition a été faite par un club. Ce qui est quand même particulier, c'est pas les dire, même si il y a forcément des dirigeants du club qui font partie du comité de la SFL, c'est quand même particulier de se dire ok, c'est la formule du FC Zurich qui a été acceptée. C'est quand même quelque chose aussi qui est un petit peu étrange. Bon, qu'elle soit proposée par un club, c'est aussi le système qui le veut. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en 2020, elle a été balayée parce qu'elle a été jugée pas assez attractive. Et vraiment, c'est même plus un plan B, c'est un plan T ou W. Et donc c'est aussi ça, c'est qu'en fait au mois de mai, je peux comprendre qu'on était contre les playoffs, mais il fallait aussi venir avec peut-être d'autres propositions à ce moment-là. Et puis là on revient 5 mois plus tard avec une idée qui est ressortie des fonds de tiroir. Enfin, quand on dit que ça va en gros décider de notre championnat sur plusieurs années, ça montre aussi
ont une certaine, un manque de vision encore, j'y reviens, pour moi c'est vraiment ça. Et ça va pas aider à l'attractivité et franchement à la confiance qu'on peut avoir dans les dirigeants du foot suite. Ouais, c'est ça, en fait ça donne l'impression que vraiment la décision a été prise à la va-vite parce que voilà, ils ont été pris de court par la réaction très très négative des supporters, des clubs, etc. Et du coup ils se sont dit il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Et ils ont pris vraiment un petit peu la décision à la va-vite et bon, on va voir ce que ça va donner. Mais il y a aussi un point, parce que bah, voilà, c'est des clubs, mais c'est surtout des présidents et des dirigeants qui votent. Ouais. Et donc Canepa qui a été évincé du comité de la Swiss Football League en novembre 2021, qui est donc c'est un peu la revanche d'un ancien banni entre guillemets. Ouais. Et dans le même rôle un peu Jean-François Collet aussi de Xamax, qui en fait est le seul club romand à avoir brisé cette union romande, qui lui aussi avait été évincé l'année passée du comité. Et puis je vais pas tous les tenants les aboutissants, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit air de revanche de règlement de compte entre les anciens, les nouveaux. Mm-hmm. C'est vrai que ce comité se veut plus moderne ou peut-être plus novateur comme ça, qui est plus jeune aussi. Et là, c'est les anciens qui ont réussi leur coup en se vengeant peut-être aussi un peu. Donc, mais j'en discutais avec plusieurs personnes hier à Tourbillon. C'est quand même hallucinant qu'à ce niveau-là, on parle d'ego et de personnalité, alors que c'est quelque chose qui décide voilà, du championnat et d'une formule entière. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on découvre un peu quand on voit les différentes discussions, les têtes dans le lobby du Schweizerhof à Berne. Vendredi, c'était assez intéressant, c'était un peu House of Cards. Et tu parlais d'union romande, comment on peut expliquer aussi que finalement tous les clubs romands étaient de base pour ces playoffs? Pour quelles raisons les clubs romands étaient pour ces playoffs alors qu'on va dire quasiment le reste était contre? Ouais, ben, c'est drôle parce que deux, trois dirigeants romands, je ne les citerai pas, mais disaient que pour une fois, c'était les romands qui avaient été cohérents et qui avaient été unis et qui n'avaient pas changé 15 fois d'idée. C'est vrai que c'est peut-être un des grands enseignements. C'est pour moi la première fois, en tout cas dans l'histoire récente, que des clubs romands ont pu s'entendre quand on imagine la différence de caractère et peut-être d'enjeux entre un Sion et un Servette, par exemple, ou même la rivalité qu'il peut y avoir aussi entre les clubs. C'est quand même assez surprenant. Je pense que c'est aussi des dirigeants plutôt jeunes, concrètement. Feuz, Steinmann, ou alors qui aiment un peu des choses novateurs, un peu mettre des coups de pied dans la fourmilière comme Constantin. Chacun avait un peu, je pense, ses raisons de s'allier, mais au final, ils ont réussi à créer une alliance romande assez surprenante. Et on regarde notamment dans le chat, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Géo14 qui nous dit que voilà, le milieu du foot est très conservateur, c'est comme avec la VAR, les gens sont généralement contre au début, c'est vrai que le changement est très très difficile à accepter, j'ai l'impression un petit peu pour tout dans la société, oui, oui. Mais dans le football en particulier. Oui, mais la VAR c'est un bon exemple parce qu'encore aujourd'hui il y a des discussions qui ont raison d'être. Je pense qu'on a maintenant avec ce hors-jeu, ce milieu automatique, on va arriver à peut-être plus avoir ces lignes, avoir de moins en moins de discussions, mais voilà, ça prend du temps, ça s'affine, peut-être qu'on revient en arrière, et je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire avec ces playoffs. Il aurait fallu essayer et puis on affine, il y a des trucs qui ne jouent pas, est-ce que vraiment... Voilà, une des contre-propositions du comité de la SFL, c'était est-ce qu'on fait encore des playoffs pour le titre ou on fait que pour les places européennes. Enfin, c'est toutes des choses qu'on aurait pu tester et discuter, puis qu'aurait amené un peu de sel. Et puis il y a aussi un autre point, c'est qu'en fait, donc là ça va enlever 1,5 million a priori en droit TV au club. Mais par exemple en Belgique, bon, il n'y a pas de playoffs, il y a des playoffs mais pas en confrontation directe, mais les droits TV n'ont jamais été aussi hauts. Puis quand on voit l'importance que ça a pour la puissance économique des clubs, c'est pas anodin. Même s'il y a eu aussi des grandes discussions en Belgique au début. Et là, j'avais appelé deux, trois collègues belges avant de décrire sur le sujet. Puis eux disaient que globalement, maintenant, les gens s'y étaient faits. Comme on s'est fait à la VAR, comme on s'est fait à la Gold Light Technology, même si c'est d'autres changements, c'est clair. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye. Et puis, il faut simplement s'adapter. Et puis, au bout d'un moment, cette formule de Super League n'a pas toujours été celle qui était là en Suisse. Il y avait d'autres formules à l'époque. Quand on regarde aujourd'hui les formules qu'il y avait à l'époque, on se dit mais qu'est-ce que c'était que ça. Alors qu'à l'époque, forcément, quand la Super League avait été introduite, il y avait eu beaucoup forcément aussi de plaintes, etc. Donc c'est toujours un petit peu la même chose. C'est ça. Et c'est dommage. La formule Rigaud, par exemple, qui était une espèce de fusion tout d'un coup des deux ligues avec un tour de promotion relégation, c'est des choses qui sont assez novatrices et qui devaient l'être encore plus dans ces années-là. Donc c'est vrai qu'on ils ont essayé et je pense que ça a dû apporter des choses bien, d'autres moins, et puis ils ont changé. Le championnat est toujours là et ça n'a pas non plus... J'ai l'impression que, écouter certains et certaines, ça allait être la fin du championnat suisse, on allait dans le mur.
Enfin, je sais pas. Mais après voilà, les arguments sont aussi recevables. Je suis pas à 100% convaincu par ces bluffs non plus, ouais, mais je trouve que bah voilà, aussi une bonne des grands enseignements de ce débat, c'était la capacité des fans à se mobiliser, aussi voilà, entre clubs rivaux à être d'accord, à discuter, à mobiliser aussi des personnalités du football. Et puis bon, ça c'est toujours bien, ça montre aussi que les gens voilà, tiennent à leur club ou tiennent à leur championnat et se mobilisent pour. Et surtout en Suisse, c'est pas toujours le cas, donc ça c'est aussi une bonne chose. Et il y a aussi un dernier point dans cette nouvelle formule avec voilà, ce premier tour de 33 matchs. Et ensuite, il reste 5 matchs entre les 6 premiers et les 6 derniers. Là, de nouveau, comment va se définir qui joue à domicile, qui joue à l'extérieur, combien de matchs on fait à domicile, combien on en fait à l'extérieur? Est-ce que tu sais un petit peu? Là, j'avoue que justement, que de nouveau, pas. J'ai l'impression de ce que j'ai compris, hein, mais je mets des immenses guillemets, mais c'est avec justement ces taux, ce calcul qui est fait aussi pour savoir contre qui on joue voilà, ces 3 tours à l'extérieur. Mais là encore une fois, je reconnais mes limites. j'ai pas encore. Je serai prêt pour l'introduction en juillet prochain, mais pour l'instant, j'ai encore quelques carences. Et dernière question, je pense que probablement que tout le monde peut s'accorder sur le fait qu'il y a un point positif quand même à cette nouvelle formule, c'est l'augmentation de la Super Ligue à 12. Mm-hmm. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette augmentation simplement du nombre d'effectifs dans cette Super Ligue? Moi, je pense que c'est bien, mais il y a quand même un petit bémol sur le fait que du coup, on se retrouve avec une solution qui n'est pas complètement satisfaisante. Donc, j'y reviens, mais voilà, est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin encore? Elle est à 14 et décider que la Challenge League ne peut pas être professionnelle ou semi-professionnelle, qu'on n'a pas la place pour 20 clubs pro ou semi-pro en Suisse. Je sais pas. C'est encore une des grandes discussions. Pour l'instant, c'est un bon pas, je pense, mais bah, voilà, rien qu'avec ce modèle écossais, on arrive à un truc, à mon avis, inabouti. Ouais, c'est bien possible, mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a aussi un côté positif à retirer, c'est que les dirigeants du foot suisse essayent quand même des choses pour essayer d'améliorer le niveau du championnat, pour de faire des résultats en Europe, etc. Donc il y a quand même des discussions qui sont faites, c'est pas forcément les bonnes, les décisions sont pas forcément les bonnes non plus, mais il y a quand même des discussions. Surtout ce changement d'avis en 5 mois où on vote tout et son contraire, voilà. C'était aussi un peu ça, genre, dans les discussions qu'il y avait avec certains dirigeants romands vendredi, ils disaient on aurait pu avoir un modèle suisse. Ouais. Peut-être qu'en fait il y a une erreur de communication aussi, ils auraient dû l'appeler modèle suisse et pas playoff ou mettre d'autres choses en avant. Parce que là, au lieu d'avoir un truc Swiss made, on copie sur le voisin et puis on n'a pas vraiment copié sur l'élève, sur le meilleur élève de la classe, on est plutôt allé copier au fond de la classe, près du radiateur. Donc voilà, c'est ça qui est un peu décevant, mais j'ai aimé ce débat et maintenant une des vraies questions, c'est de voir, c'est un tout petit oui quand même, donc 12-8. Hein, avec un Degen qui change d'avis au dernier moment, Collet qui règle ses comptes. Donc maintenant, il faudra voir à quel point le foot suisse est divisé en deux et à quel point vraiment tout le monde va aller dans la même direction. Voilà. Est-ce que le Rushi Grabon va se creuser? Je pense qu'on n'en a pas à parler, mais cette sortie de Constantin, il y avait aussi un peu de ça. Il y avait aussi une manière de peut-être durcir le front roman derrière lui. Même si en on, beaucoup de gens se sont distancés, mais je pense que... il y avait Balotelli, mais il y avait aussi ce vote. Et puis je pense que Constantin reste un très bon communicant. Donc il y avait peut-être aussi une petite idée derrière la tête là. En tout cas, n'hésitez pas aussi vous à nous dire dans le chat ce que vous pensez de cette nouvelle formule. On va peut-être que c'est l'heure là. Oui, c'est l'heure effectivement. Ouais. Les serviettes qui reviennent sur le terrain. Merci beaucoup Hugo Curti d'être venu pour discuter avec nous de cette formule. Et puis on se retrouve tout bientôt peut-être sur les antennes de Lucarne Grenat. Avec plaisir. Bye bye, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao ciao. Et on va gentiment récupérer sur Ethan Fasnacht qui va pouvoir revenir commenter cette deuxième mi-temps entre le FC Zurich et le Servette FC, 1-0 pour le FC Zurich après la première période. Bonne deuxième mi-temps à Hugo Curti que l'on salue encore. Et bonjour Ethan Fasnacht. Bonjour Thomas Zanguignon. Je préférais la personne qui était là pendant cette mi-temps. Mais bon, j'ai dit ça à haute voix. Mince, la boulette. Alors, d'accord avec toi. Ethan, de retour, ça fait plaisir. On va pouvoir suivre cette deuxième mi-temps. Pas de changement côté Servettien apparemment. Je vais te laisser prendre la parole gentiment dans cette deuxième mi-temps.
Je vais gentiment me sustenter un petit peu avec, avec un peu d'eau notamment. Et bah, la question, c'était simplement comment ça s'était passé tu bois. Et ben, excellemment bien, hein, cette petite intervention de Hugo Curti sur cette nouvelle formule de la Super League. Toujours des avis très intéressants du journaliste sportif du Blick. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On aimerait bien avoir quelquefois des intervenants comme ça à la mi-temps. Ouais. C'est toujours très sympa d'avoir des avis un petit peu extérieurs, de pouvoir discuter aussi avec vous qui avez potentiellement des questions. Donc, c'est très très sympa. Et cette deuxième mi-temps se lance à l'instant. Ouais, c'est tout à fait ce que j'allais dire. On va essayer d'avoir de plus en plus d'invités à la mi-temps ou avant ou après le match. Pour essayer de faire le live le plus complet possible. En tout cas, c'est reparti dans cette seconde période. Le ballon pour Krasnik qui est au duel avec Cespedes. Et on va repartir depuis Yannick Brecher qui était servi par Koundé. Et Brecher qui prend son temps. On va rejouer sur le côté avec Katic. Katic qui tente de chercher Okita dans la profondeur, mais c'est Nicolas Vouillot qui a été le plus prompt, hein, alors que ce ballon va rester Zurichois. Attention là, on se projette et c'est Derek Kuteza qui va pouvoir récupérer. Mais attention, il est face à 3 Zurichois, c'est compliqué pour Kuteza de passer. Kuteza face à Camberi et Zurich qui va obtenir la touche. Mais c'était bien joué de la part de Derek Kuteza. Alors qu'il n'y a aucun Servetien hein, qui s'échauffe sur le banc pour le moment. Alors Capucine, tu nous dis que tu as regardé alors effectivement peut-être réfléchir à faire un calendrier hein. Ce compte OnlyFans hein, alors que le jeu aurait pu rester peut-être en jeu alors qu'il y a Rodelin qui quand même a l'air de souffrir hein, par terre il s'est peut-être fait accrocher le talon d'Achille, ouais, on demande aux soigneurs hein, de venir directement s'enquérir de la santé de Ronny Rodelin. Ça ferait un nouvel attaquant blessé côté Grenat. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Et le sondage proposé par notre ami Diego Esteban, qu'on remercie d'ailleurs pour la technique. Alors vous êtes quand même assez confiant hein, au niveau du pronostic. 71% pour la victoire à Servetienne. Seulement 21% pour le match nul et 7% pour le FC Zurich. Alors, peut-être pas totalement objectif, peut-être le cœur qui parle et pas forcément la raison. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'équipe d'Alain Geiger, de renverser la tendance. Alors, en pronostic d'avant-match, je dis bien d'avant-match, j'avais dit 2-1 pour le Servette FC, peut-être que... C'est pas impossible. Match à l'autre, qu'on est bon l'un, mauvais l'autre. Dernier match de Volon-Servette, j'avais dit 5-1 pour Servette, c'est terminé en 5-2 ouais. En prolongation, mais ça il faut pas dire. Et puis là, bah voilà, tu as pronostiqué 2-1, alors que moi j'ai été absolument catastrophique dans mon pronostic où je pronostiquais un 3-0 du Servette FC, peut-être un petit peu trop confiant. Ouais. Ce Ting. Le Ting, ouais. La Zinguignasse. La Zinguignasse. Hein. Alors qu'il y a une touche à présent. Pour Gaël Clichy. Et Clichy qui va jouer avec Rodelin. Clichy qui rate sa passe et c'est récupéré par Borinazevic avec Fluke à la lutte. Alors c'est un petit peu compliqué là pour Zurich de se dégager. Et Clichy qui va récupérer. Rodelin qui va rejouer sur Derek Kuteza. Derek Kuteza qui tente de centrer et Marquezano s'interpose. Attention là, Rouillet qui s'est fait avoir par Tosin et Toulin aussi. Ballon coupé, bonne passe coupée là par Nicolas Bouillon. Attention quand même, c'est ça à destination de Okita, mais ça revient. Il y a une deuxième vague zurichoise qui arrive. Long ballon en profondeur pour Marquezano, le centre et Jérémy Frick qui coupe très bien. Et Jérémy Frick qui va pouvoir dégager directement en direction de Rodelin, c'est complètement manqué. Récupéré tout de suite par Metz. Metz qui sert, ouais, c'est magnifique sur la gauche pour Guerrero. Le centre de Guerrero, deuxième poteau avec l'arrivée de Marquezano. Marquezano sur la droite face à Clichy, le centre de Marquezano directement sur Clichy qui avait écarté les bras au moment de se placer, ce qui n'était pas une très très bonne idée. C'est bien joué là dans la surface de Krasniki. Krasniki qui va centrer peut-être devant Doulin. Bien joué de Doulin, mais qui concède quand même le corner. Une bonne deuxième, bon début de deuxième mi-temps hein, du FC Zurich qui met la pression. Ouais, exactement, ça met la pression sur le Servette FC. C'est vrai que si Servette venait à être mené 2-0, ce serait quand même bien plus compliqué de revenir. Mais bon, là je ne vous apprends rien. Mais c'est vrai que j'ai pas réellement souvenir que Servette soit revenu dans un match cette saison. Est-ce que toi tu. Alors c'est une très très bonne question. Bah, alors ils sont revenus à Bâle quand ils perdaient 1-0 partout, mais ils n'ont pas gagné. Ouais, mais quand ils perdaient 2-0, tu dis. Ouais. Sûr. Alors non. Mais même de la saison dernière, j'ai pas vraiment de souvenir. Ouais, effectivement. On va suivre ce corner avec Guerrero sur Jérémy Frick qui peut dégager des points. Ça revient sur Kuteza. Alors, Kuteza pour Stevanovic. Bien joué, Stevanovic au duel avec Okita. Il y avait une main selon moi de Okita. Ça n'a pas été signalé. Pas très académique la façon dont il a dégagé le ballon. Kuteza, mais bon.
Ça a aidé le Saratev à s'en sortir alors que Bauer la joue de la tête. Oula. C'était difficile, c'est en route. Oh, la frappe! Oh, magnifique! Magnifique but de Katic. Qui est défenseur central, hein, à noter. Ouais, et Camille, une reprise de volée fantastique. 2 à 0 pour Zurich. Et bah voilà, on parlait du plus 2 à 0. Et ça devient très compliqué là pour le Saratev. Très compliqué pour le Saratev FC. Et malheureusement, j'ai quand même tendance à dire que les deux buts ils viennent du côté de Moritz Bauer, hein. Et puis là ouais, le deuxième, ouais. La relance de la tête, elle est vraiment complètement ratée. Ouais, ouais. Et ça revient directement sur Katic. D'accord, c'est pas facile. Il non, recule, bien sûr. Le ballon vient d'en haut, mais là il la met vraiment dans les pieds de Katic. Enfin, ouais. Après Katic sur une frappe aussi de nulle part. Ah, ouais, la frappe est magnifique. Hein. Mais il aurait peut-être juste fallu laisser ce ballon partir derrière, quoi, et ne pas essayer de prendre ce ballon de la tête. Mais voilà, c'est toujours facile après coup. Ouais, hein. Parce que le ballon ne rebondit pas, il la prend comme elle vient, Katic. Ouais. Regarde là, c'est ouais, j'ai bien ralenti. Vu. Oh, la frappe est magnifique, hein. Par contre, il n'y a rien à dire. Mais, parce que Vouillot est même devant, mais voilà. C'est peut-être le plus beau but de la carrière de Katic, et puis elle intervient aujourd'hui. Hein. Quel est pour vous le dernier match référence du SFC? C'est une bonne question, ça. Cette saison, je. Oh là là, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un? Le match à Bâle était quand même dans l'attitude. C'est un match référence. Oui, mais c'est pas un match référence. Quand tu prends 18 tirs à 0. Oui, oui, mais tu vois ce que je veux dire? Genre dans l'attitude défensive. Dans l'attitude, oui, mais dans le niveau de jeu. Après, non, c'est ce que je dis, dans l'attitude. Moi, je dirais Grasshopper. Je dirais Grasshopper à la Praille. Ouais, le 3-1. Ou le 3-1, où ouais. Le but est un contre son camp vraiment très très dommage. Ouais, je suis d'accord avec et toi. Et le reste était vraiment très solide, mais sinon, compliqué. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est, oh, c'est vrai grosse c'est... faute là, grosse faute sur Stevanovic qui n'est pas signalé. Et les Zurichois peuvent repartir. Il nous faut une touche miracle de Rodelin qui servirait les ailiers vers le but seul face au. On espère. Tant que ça fait trembler les filets du FC Zurich, je pense que peu importe la manière, l'équipe d'Alain Gaillard sera contente. Grosse ambiance en tout cas ici au Letzigrund, ça fait quand même plaisir à entendre. Ouais. Même si malheureusement c'est contre le Servette FC forcément. Les Servetteurs qui repartent avec Kuteza pour Cespedes, c'est bien joué. Cespedes qui accélère, qui va servir, mais il prend beaucoup trop de temps pour jouer, c'est pas possible. Ouais. Sacre Cespedes bleu. Qui n'est pas vraiment dans son match. qui est déjà sorti, mais il est pantois. Hein. J'aime beaucoup la dédicace en tout cas. J'étais obligé vu que tu l'as dit, je ne l'avais pas entendu, j'étais obligé quand même. Ouais, j'aurais pas dû te répondre. Tiens. Alors que là, Cespedes dans la tête qui essaie de remettre à Ronny Rodelin, mais c'est Guerrero qui sera le plus rapide avec Okita à présent. On rejoue en retrait pour Krasniqi, mais bien joué de la part de Nicolas Vouillot là, qui intervient. Stevanovic qui rate sa passe et il va perdre le ballon là, le joueur bosnien. Attention à la contre-attaque zurichoise à présent qui va arriver avec Borinjazevic. Borinjazevic qui préfère s'arrêter et ne pas lancer la contre-attaque du FCZ. Qui arrive maintenant quand même avec Guerrero. Guerrero sur la gauche, Guerrero pour Okita. Okita, retour à Guerrero en retrait. Guerrero pour. Je n'arrive pas à voir qui avait le ballon. C'était Krasniqi. Krasniqi pour Kondé. Kondé en profondeur pour personne. Ça va sortir en sortie de but pour Jérémy Flick. Le FC Zurich qui s'achemine vers seulement sa deuxième victoire de la saison. Et que Kondé remonte hein, si ça continue oui, comme c'est ça. C'est vrai. T'as totalement raison, Thomas. Mais... Alors, deuxième victoire de la saison, mais ce sera sûrement pas la dernière. Alors qu'on nous annonce 12 776 spectateurs au Letzigrund. Belle ambiance hein, cet après-midi au Letzigrund. Ouais. Bah, c'est aussi le dernier match de l'année. Je pense que les gens viennent au stade aussi pour profiter justement une dernière fois de cette ambiance. Et c'est ce qui s'était passé aussi à la Praille contre Young Boys, sûrement. L'idée de profiter une dernière fois du stade avant la reprise fin janvier. Servette qui se rendra au Schützenwiese de Winterthur pour la reprise en janvier. Alors, je ne me rappelle pas exactement de la date, mais en tout cas. Ce sera à nouveau un nouveau match piège pour les Grenades du côté de Winterthur. Le 22 janvier, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, avant de recevoir Sion le 29 à la Praille. Les Grenades qui vont essayer de mettre le pied sur le ballon. Ce ne sera pas une fin de tour facile hein, pour le Servette FC. Non. Déplacement à Winterthur et de recevoir Sion dans un derby. On ne sait pas encore si Mario Balotelli sera présent. Ouais. On prévoit les questions. Hein. Est-ce que Mario Balotelli sera suspendu de ça? On n'en a aucune idée pour l'instant. Cette équipe manque de dynamisme, c'est ce qu'on disait en première période. Pourquoi pas avoir un Toiti ou un Fofana faire leur apparition, ou même Magnan. Ça pourrait faire du bien, justement, c'est les trois qui s'échauffent, donc c'est potentiellement les trois qui pourraient faire leur entrée. Ouais. Avec à présent Tosin, attention Tosin qui dribble Clichy et Frick en deux temps là, face à Krasniqi qui peut bloquer ce ballon. Presque en trois temps, ouais, c'est compliqué. C'est un peu risqué.
Dégagement de Frick en direction de Rodelin. Magnifique contrôle de Rodelin, malheureusement. C'était compliqué hein, face à un défenseur. Et le ballon revient sur Brecher. Brecher qui va dégager en direction de Tosin. Mais c'est bien couvert par Doulin. On cloche sur Katic directement. Ça revient sur Doulin. Doulin mais qui remet ce ballon directement à Condé. Les Servetiens qui ont du mal, hein, qui ont quand même beaucoup de mal dans cette rencontre. Et attention au compte maintenant avec Krasniqi. L'équipe est coupée en deux hein, côté Servetien. Krasniqi face à Vuillot, Krasniqi qui continue, Krasniqi sur la droite, c'est bien joué avec Boraniazevic qui est peut-être en position de hors-jeu, je ne sais pas. Très léger hein, parce qu'il est parti, je ne suis pas sûr qu'il soit hors-jeu, Boraniazevic en tout cas. Doulin qui s'en sort bien, et un petit peu de chance quand même pour les Grenins. Oui, avec Boraniazevic qui va pouvoir effectuer la touche pour Marquezano. Retour à Boraniazevic, le centre directement sur le pied de David Doulin. Ouais, ça va être compliqué cette deuxième mi-temps hein, pour les Grenins. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi Thomas, ça va être une deuxième mi-temps difficile. On a l'impression vraiment que Zurich est galvanisé là et a réellement lancé sa saison. Ouais. Et oh. Attention, là, ce ballon là, ouais, il y a faute de Rouillet, ouais. Très clairement, mais l'arbitre ne siffle pas, Monsieur Tourquès. Et oh là Rouillet là. Qui refait faute, mais qui n'arrive pas à récupérer ce ballon tout de même, même en faisant des fautes. Et cette fois, ça va être dégagé. D'ailleurs, Steve Rouillet est un des joueurs en fin de contrat. Et peut-être que la question se pose, est-ce que Steve Rouillet sera prolongé ou non? Pardon, j'ai pas entendu la question. Steve Rouillet est en fin de contrat, est-ce qu'il sera prolongé ou non? Très bonne question. C'est une bonne question et ça, elle se pose aussi pour Ronny Rodelin, Boris Cespedes par exemple ou Moritz Bauer. C'est intéressant Rouillet parce que la saison dernière il y avait déjà un doute entre Rouillet et Sasso de savoir qui serait prolongé. Ça avait été Rouillet, Sasso était parti libre, voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense vraiment que Vincent Sasso ne voulait pas rester. Ouais, c'est bien donc, possible. Ça a facilité le choix, mais cette année il y aura un choix à faire en tout cas si on prolonge Steve Rouillet ou non. Et pareil pour Moritz Bauer, est-ce qu'on prolonge Moritz Bauer ou est-ce que tu gardes Moussa Diallo? Il y aura des choix à faire en fait. Oui. Boris Cespedes aussi. Oui, beaucoup de choix à faire. Bah, Boris Cespedes et David Doulin arrivent en fin de contrat. Oui. Hein. Oui. Et justement, David Doulin en position du ballon qui va le perdre malheureusement, qui commet une faute, mais c'est récupéré par Marquezano qui accélère. Oh, magnifique tacle. Alors il y a une main apparemment, une main peut-être que de Steve Royer. Et du coup, un coup franc intéressant à venir pour les Zurichois. Alors moi je sais pas ce que t'en penses, mais déjà d'un côté j'aimerais bien voir des changements côté d'Alain Gallagher. C'est ce que j'allais te dire, c'est exactement ce que je pensais. Et ouais effectivement, bah voilà. Il va y en avoir. Et deuxième point sur lequel j'aimerais revenir. Là notamment on a entendu un petit peu autour de nous des Servetiens se plaindre des remises de Ronny Rodelin. Ouais. Mais moi j'ai tendance à dire que vraiment on balance simplement des ballons devant en espérant qu'il va faire la remise parfaite. Mais le Servet FC ne prépare absolument aucune action. Et aucune action de jeu. Les entrées devraient être Magnin, Toiti et Fofana. Alors c'est exactement ce qu'on avait prédit. Exactement ce qu'on avait prédit. Alors est-ce qu'on est des génies du football ou est-ce qu'on connaît Alain Gallagher? Je partirais plus sur la deuxième option. Plutôt. Ah. Non, pas que je minimise tes talents d'analyste du football. C'est pareil. Pareil pour... Attention à ce coup franc. L'objectivité toujours hein, journalistique, c'est ça vraiment le plus important. Le coup franc est parfait. Simplement, le coup franc est parfaitement placé. Ouais, ça peut faire but à tous les coups. Et à 3-0, ça risque d'être compliqué. Avec Marquezano qui va tirer. C'est parti pour Antonio Marquezano face à Frick. Et l'arrêt de Jeremy Frick. Bloc, troisième gros arrêt quand même de Jeremy Frick dans cette rencontre. Ouais. Très bonne partie pour l'instant de Jeremy Frick. Alors, pronostic, qui va sortir selon toi? Moi, je pense à Moritz Bauer. Je pense à... J'espère pas Kuteza, mais il y a des chances. Il y a des chances que ce soit Kuteza et pour Fofana, Rodelin. Oui, il y a des chances que ce soit ça. Ou j'aimerais quand même que... Ou Cespedes peut-être va sortir. Oui. Et replacer Kuteza dans l'axe. Ah, peut-être. Ah, ça serait peut-être intéressant. Ouais. Ça donnerait plus de jeu, en fait, au milieu du terrain. Ouais, exactement. Donc, à voir ce que va faire Alain Gaillet. En tout cas, Hussein Toiti va faire sa première apparition en championnat. Et sa deuxième de suite, hein, suite à son entrée à Vologne en Coupe de Suisse. Il a un très bon match et délivré même une passe décisive. Ouf. Attention, très mauvaise peut-être là de Vuillot. Et Bauer qui laisse le ballon à Stevanovic. Vuillot qui va remettre à Steve Rouillet, pardon. Et Steve Rouillet qui attend tranquillement, il va rejouer sur Vuillot. Ce qui est quand même compliqué, c'est que les Servetiens n'ont pas d'occasion en plus. Les Servetiens ne se montrent pas dans le jeu. Vuillot avec un bel arrêt de Brecher en première mi-temps. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune occasion sinon de la part des Grenins. Et c'est vrai que bon, ça commence à faire quand même pas mal de matchs d'affilée où les Servetiens ont beaucoup de peine offensivement. Et alors que... On a un commentaire intéressant, il me semble. Ouais, c'est intéressant, effectivement, jeu 14 que tu nous dis par rapport aux prolongations potentielles des joueurs Servetiens. Je pense qu'il ne faut pas renouveler Rodelin. Tu prends les gros sous qu'il gagne et t'investis ça devant parce que là, c'est plus possible d'aller au stade et passer 4 matchs sans voir le moindre but. Ouais.
C'est vrai que les problèmes offensifs du Servette FC sont assez récurrents cette année. Rouillet, 16 pédés balleur et Rodelin, c'est méchant, mais j'en prolongerai aucun. Autant mettre des jeux. Alors, sortie juste de 16 pédés pour Fofana. Pour Fofana, sortie de Kuteza pour Touati et sortie certainement de Moritz Bauer pour Théo Magnan. Ouais, ouais. Ça aurait été intelligent que Moritz Bauer sorte de l'autre côté du terrain, mais il court jusqu'à la sortie pour laisser sa place à Théo Magnan. Ça fait plaisir de voir quand même ces trois changements à la 60e minute. Ouais. Et on va voir ce que vont pouvoir apporter ces trois atouts. On va parler d'atouts offensifs côté Servatien. Ouais, tout à fait. Et le premier ballon sera directement pour Théo Magnan, mais pour réagir aux commentaires. Alors c'est difficile d'en prolonger peut-être aucun, parce que tu es obligé d'avoir de la rotation. Et tu peux pas non plus laisser totalement les clés aux jeunes. Non, effectivement. Je pense qu'il y aura bien en tout cas deux qui seront prolongés. Le problème, c'est que ce poste derrière droit, il faut faire des choix. Oui. En Diallo et Bauer, il faut en choisir un et ou Magnan, tu vois. Et ouais. Recruter sinon quelqu'un, mais ouais, en tout cas tu peux pas rester comme actuellement selon moi. Surtout que j'ai l'impression vraiment que ce poste de latéral droit, c'est le poste que le Servette FC peut améliorer. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et peut-être un autre milieu défensif. Ouais. Pour suppléer Doulin. Ouais, exactement. C'est ça pour moi les postes les plus importants. Et un défenseur central ou alors Montero. Oui, parce que Montero est en fin de contrat aussi. Ouais. Donc et à ça, voir ce qui va se passer. Oui. On parle, la Tribune de Genève a sorti un article où il pourrait partir dès cet hiver du groupe Montero. Ouais, notamment en Angleterre avec des clubs anglais qui seraient intéressés par le défenseur. Et des clubs portugais aussi, ouais. Alors apparemment Fofana a été est entré sur le terrain sur la gauche, Touati sur la droite et Stevanovic peut-être en milieu central. À voir. Ouais, c'est comme ça en tout cas que pour l'instant s'articule l'équipe d'Alain Geiger. Et Zurich qui du coup prend son temps. Ils ont le ballon mais ils jouent entre eux, les défenseurs centraux, et ils ont raison, hein, ils ont rien à perdre. Enfin, j'ai hâte de voir Crivelli en pleine forme après la pause. Et je pense que tout le monde a hâte de voir Enzo Crivelli. Oui, le retour de tous les joueurs hein, finalement qui sont blessés. On se réjouit d'avoir une équipe au complet, on espère, hein, au début du deuxième tour. Attention maintenant à l'avancée de Okita. Okita qui va pouvoir écarter, ouais, c'est bien joué. Il ne doit jamais garder ce ballon. Hein, Puké et Doulin doivent le récupérer. Et le centre est magnifique au deuxième poteau. La tête et goal. Et pourquoi Frick n'y a pas été? Et pourquoi Frick n'y a pas été? J'en ai aucune idée. Le 3-0. Est-ce qu'il y a faute sur Magnan? Pour le FC Zurich, non, il n'y a rien du tout. Je pense qu'il y a faute, c'est plutôt Magnan qui l'a fait. Ouais. Avec un pied levé, ça fait 3-0 pour le FC Zurich. Avec la tête de Tosin. Et la fête ici au Letzi Ground. Mais alors, Jeremy Frick, je ne sais pas ce qu'il fait là sur l'occasion. Non, je ne sais pas du tout pourquoi Jeremy Frick n'y va pas. Surtout qu'il regarde le ballon, il fait le premier pas et il n'y va jamais. Normalement, c'est soit tu plonges, soit. Enfin, je sais pas. Surprenant là, ce qu'a fait Jeremy Frick. Ouais, le Théo Magnan qui s'est fait avoir là pour le coup. Ouais. Le Servette FC qui implose. En fait, il s'est pas tant fait avoir que ça parce que la tête n'est pas du tout dangereuse. Il l'embête Tosin. Tosin touche le ballon de la tête. Et après, c'est à Jeremy Frick de capter ce ballon. Enfin, tu vois, dans la logique des choses. Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai pas grand chose à dire là, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc, c'est compliqué parce que le Servette FC, j'ai vraiment l'impression que il y a des moments de blanc absolu. Il y a des moments de blanc et là ça fait quelques semaines. Bon, avant ça, on va pas mentir non plus. La deuxième, honnêtement, pour moi, la deuxième place du Servette FC, elle est quand même très très chanceuse pour le moment. Ouais, Le Servette FC joue pas bien dans ce début de championnat. Ils ont quand même beaucoup de réussite, beaucoup d'efficacité et puis dans des matchs où il y en a moins, bah voilà ce que ça donne. Alors pourquoi ça ne donne pas des coups hors France? Toutes les arrivées ou une grande majorité viennent des divisions inférieures françaises. Je ne sais pas si c'est toujours. Alors il faut savoir que dernièrement, on a eu comme des arrivées qui venaient pas de France. Ouais. Je pense à Fouque, Bauer qui venait, qui venait pas de France. Hein. Ouais. Du coup, il y en a, des arrivées qui. Les Lady Ba. Les Lady Ba également. Non, pas Touati. Touati vient du PSG. Bon, c'est pas la France le PSG. C'est le Qatar. Et du coup, non, il y a des arrivées. Après, je te conseille de regarder la petite vidéo qu'avait fait le Servette FC sur les recruteurs, où justement ils disent tous les championnats qui suivent. Et après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coups en France, puisque le recruteur en chef était Gérard Bonneau durant de nombreuses saisons. Ouais. Et du coup, c'est lui qui a laissé un peu plein de joueurs à recruter. Et voilà, c'est pour ça. Et il y a aussi un point pour moi qui est intéressant. J'ai l'impression que là, on va plus vers côté germanique, donc l'Autriche avec Bauer, l'Allemagne avec Fouque ou les Pays-Bas, tu vois. Ce qui est intéressant aussi. Quoi. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un autre point par rapport à pourquoi on va beaucoup recruter en France, c'est simplement la langue. Ouais, aussi. Et il y a tous les joueurs du Servette FC qui parlent français, tout le vestiaire qui parle français. C'est ça que Fluquet parle français. C'est aussi. C'est ça. Donc, enfin, Fluquet, il s'entraide en tout cas. Ouais. Mais il a quelques mots, tu vois, il a quelques notions.
Bon pressing là de Touati, récupéré par Stevanovic et Touati à nouveau. Ouh, malheureusement le ballon ne passe juste pas pour Rodelin et c'est récupéré par les Uriquois avec Guerrero. Guerrero, long ballon en avant, il n'y a personne, il faut prévenir. Il faut prévenir qu'il n'y a strictement personne. Jérémy Fick qui ne parle pas à Nicolas Vuillot, mais voilà, les Servetta qui peuvent relancer. Oui, bah, la deuxième place pouvait être sécurisée potentiellement en cas de victoire aujourd'hui, mais de toute façon elle est sécurisée, c'est-à-dire que Servette passera Noël au chaud à la deuxième place. Et ça c'est agréable quand ça, même. Ça c'est quand même agréable, mais oui, il y avait mieux à faire. Après on le disait en avant-match, c'était un match piège quand même. Alors que notre technicien s'énerve un peu sur à côté de nous et on le comprend, on est tous un petit peu là frustrés hein, de cette rencontre. Ça faisait longtemps que le Servette FC ne nous frustrait pas en fait sur un match. Alors en fait tout tournait en faveur du SFC. C'est ça. Même c'est ça. Quand les Grenades n'étaient pas au niveau cette année. Mais c'est vrai que s'il faut retenir quelque chose quand même de cette première partie de saison, c'est quand même une magnifique première partie de saison. Servette est deuxième. Certes, au niveau comptable, c'est clair. Voilà, c'est ça. N'a pas beaucoup d'avance. Ils ont 5 points d'avance sur le 8e. Hein. C'est toujours un petit peu la même chose ce championnat de Super League. Mais seulement 3 défaites. Oui. C'est ça qui est intéressant. Mais après, oui, faut faire attention à ne pas se faire attraper. Oui. Surtout que ça fait quand même quelques matchs que Servette n'a plus remporté de rencontre. Quoi. Bah oui, ça en fait bientôt 6-7. Ça fait vraiment longtemps hein, si on accepte la Coupe de Suisse. Il y a eu seulement une défaite. Hein, mais ça fait quand même longtemps. Enfin, 2 défaites avec aujourd'hui, je pense. Oui. Si Servette revient et gagne ce match, c'est absolument miraculeux. Ça n'arrivera sûrement pas avec Boraniazevic qui va s'entrer devant le but. Et ça passe devant tout le monde, la défense servettienne, Vuillot, Rouillé est quand même complètement éteinte hein, cet après-midi. C'est difficile ce qui se passe pour les deux. Manien qui a joué avec Stevanovic qui joue avec Rodelin. Rodelin qui va décaler Gaël Clichy. Clichy pour... la passe de Gaël Clichy, il cherchait Fofana, mais alors il a trouvé juste le panneau publicitaire au fond de la piste d'athlétisme. Ouais, ça va être long hein, cette dernière partie de match. C'est 25 dernières minutes qui vont être difficiles. Avec toujours Sidiki Camara, Sambal et Lediba et Alex Diaz-Patricio. Pourquoi pas donner du temps de jeu à Camara qui s'échauffe. Ouais, à Camara et puis à Diaz-Patricio aussi. Hein, ouais, tout à fait. À la place de Rodelin, simplement. Ouais, et oui. Bon, en parlant de la des moins de 21, on va pouvoir parler un petit peu des moins de 21 qui ont joué hier. Et qui se sont imposés 3-0 contre Port-Alban. Donc les Servettiens qui ont 9 points d'avance dans leur championnat, qui continuent leur magnifique saison avec, il me semble, 12 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc vraiment magnifique. Bah, on risque sûrement de les voir en Promotion League l'année prochaine, ce qui est quand même extrêmement plaisant, hein, ce qui est vraiment super pour une deuxième équipe qui va pouvoir rivaliser avec les clubs comme Lucerne 2, Sion 2, tout ça. Donc ça, c'est Young Boys 2, tout ça. Donc c'est vraiment très très cool. Ouais. Alors que ça fait vraiment beaucoup de bruit ce stade, hein. on va remettre la deuxième oreille pour s'entendre. Ça fait plaisir quand même d'avoir une ambiance comme ça pour ce FC Zurich aussi qui a vraiment un début de championnat très bon. C'est magnifiquement bien joué là de Fluquet, mais il faut remettre le ballon. Fofana qui des fois a tendance à jouer un petit peu solo, on l'avait vu contre Volon, il voulait tout régler lui-même. Cette frappe là qui va. Grosse frappe hein, qui a contré Nicolas Vuillot là. Et Fluke qui perd le ballon face à Marquezano. Alors qu'il y aura une transversale côté du FC Zurich. Et ça va être récupéré par Vuillot avec Miroslav Stevanovic. Stevanovic pour Touati. Hussein Touati là, qui va essayer d'éliminer Katici. Il a joué pour Stevanovic. Il y aura une touche qui va être effectuée par Théo Magnin. Magnin pour Stevanovic. Stevanovic Touati, la passe est mauvaise hein, pour Stevanovic. Et ça va quand même être une touche. Non, la touche, elle va être zurichoise. Beaucoup de chance aussi côté zurichois. Beaucoup de réussite. Mais voilà, le Servette FC n'est quand même pas dedans aujourd'hui. Et on espère pouvoir retirer un petit peu de positif de cette rencontre. Mais pour le moment, c'est compliqué. Hein. Les zurichois qui repartent avec Brecher. Brecher directement sur Doulin. Bien joué de Doulin qui contrôle. Doulin peut-être va lancer Fluquet. Non, il préfère jouer avec Fofana qui fait n'importe quoi avec le ballon. Et c'est récupéré par les zurichois. Et l'entrée de Boubacar Fofana pour l'instant qui est pas folle hein. Bon, ça fait que 8 minutes qu'il est sur le terrain mais ton regard en dit long Thomas, ton regard en dit long avec Clichy pour plus que à présent Clichy à nouveau. On va essayer de proposer quelque chose quand même pour les 20 minutes qui restent du côté Grenat, ça pourrait être intéressant. On cherche Hussein Touati qui n'arrive pas à gagner son duel et Koundé qui va rejouer avec Cambéry.
Cambéry qui avance face à Rodelin. Rodelin qui laisse un peu passer. Cambéry qui continue. Il n'a pas vraiment d'adversaire qui vient sur lui. Alors il fait un crochet. Il est sur son pied gauche. Il va frapper. C'est complètement raté. C'est mérité. Pardon. Non, je me suis enflammé. Non, bien sûr que c'est pas mérité. On se rappelle de Cambéry face à Crivelli. Ouais. Crivelli qui avait donné un joli coup d'épaule. Ça avait notamment valu 50 millions de vues sur l'Instagram du Servette FC. Mais c'était une très très belle percée de Cambéry qui a quasiment pris le ballon dans sa surface et qui est allé. L'écran géant du stade montre tous les visages des 11 Servettiens déçus, tous à la suite. Ce qui est quand même assez incroyable. C'est quand même pas très fair play ça pour le coup. C'est de la petite provoque. Oh, moi ça me dérange pas, je trouve ça sympa. C'est de la provocation, mais moi j'aime bien la provocation. C'est important dans le sport, c'est important dans le football. Arrête Thomas, tu t'es enflammé, comment Crivelli a été provoqué Cambéry alors. En fait moi j'ai de la peine avec les clubs. J'ai pas de peine avec les joueurs qui provoquent. Avec l'organisation qui provoque, j'ai beaucoup plus de peine. Bah, tu joues sur les mots là mon ami. Non, clairement pas. Non. Mais ouais. Ça c'est un avis comme un autre. Mais... On va pas partir en discussion là-dessus. Il faudrait faire un podcast et un débat. D'ailleurs, les Servette Talks sont disponibles. C'est vrai. Il y aura bientôt un nouvel épisode. Merci beaucoup Parisien Suisse, ça fait d'ailleurs très très plaisir ce que tu nous dis pour nos lives. Mais oui, c'est vrai, en vrai, allez nous suivre pour, sur Lucarne Grenade, sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Les Servette Talks. Pour les Servette Talks. Il y aura un nouvel épisode bientôt. C'est vrai que c'est intéressant cette idée de pourquoi pas faire un débat sur la provocation dans le football et puis en Super League. Exactement, ouais. Ça pourrait être très intéressant. Mais du coup, il y aura un nouvel épisode bientôt. Allez sur le site internet, on fait un peu notre pub pendant que les Grenats ne savent pas trop quoi faire du ballon. Ouais. Mais voilà, il y a plein d'interviews, il y a des reportages aussi qui vont arriver, d'autres interviews écrites, d'autres joueurs. On ne va pas encore vous dire les noms, mais il y a des choses réjouissantes qui vont arriver. Restez connectés, comme on dit. Restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Lucarne Grenat et lucarne-grenat.ch pour le site internet où il y a absolument tout dessus. Les Uruguayens qui obtiennent une nouvelle touche sur la gauche. Avec Guerrero qui va pouvoir effectuer la touche. Tu as vu un message WhatsApp qui t'a fait rire, Thomas. Guerrero qui va pouvoir effectuer donc cette touche en direction de Okita. Okita pour Guerrero à nouveau. Guerrero Tosin, bien couvert par Vuio qui obtient la touche au niveau du rond central, la ligne médiane. Ouais. Et c'est Théo Magnin. D'ailleurs, en parlant de Théo Magnin, le reportage est toujours disponible. Allez le voir, il est sur YouTube, sur notre site internet. Le dernier quart d'heure, ça va vraiment être que des placements de produits. Hein. Bon, c'est même pas du placement de produits, parce qu'on gagne rien, c'est notre travail. C'est vrai. La promo, comme tu dis. Mais ouais, c'est de la promo. Allez voir le reportage sur Théo Magnin, on va essayer d'en caser un nouveau. Pas sur Théo Magnin, du coup, vous l'aurez compris, parce que je suis pas sûr qu'il ait grand chose à nous dire de plus qu'il y a quelques mois et de l'interview écrite qu'on avait fait également en début de saison. Dans tous les cas, Doulin va plus ou moins récupérer le ballon et il n'est pas content, David Doulin. Et il y a de quoi aussi. Hein. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de réactions également d'Alain Gaillard sur son banc qui reste vraiment. Prostré. Ouais, un peu prostré. Il ne réagit pas, il a les bras crasés. Ouais. Il est un petit peu choqué, je pense, comme ses joueurs finalement. Ouais, il a pris un coup sur la tête aussi, je pense. Mais c'est vrai qu'on. Pour une équipe qui est deuxième du classement, je pense qu'on est en droit d'en attendre plus, alors que là c'est super bien joué. Et Rouillet qui arrive pour contrer ce ballon. Doulin pour Patrick Fluck. Patrick Fluck qui va essayer de relancer le bloc servetien. Rodelin pour Touati, la passe de Rodelin qui est un peu trop longue. Gros pressing de Touati. Mais gros pressing du Sen Touati, ça fait plaisir de voir un joueur algérien formé au PSG à l'Olympique Lyonnais. Qu'on avait beaucoup apprécié avec les M21 et également en Coupe de Suisse face à Valence. Ouais, il peut faire du bien en termes justement de percussion, de folie. Ça peut être intéressant, même si là la folie n'est pas forcément dans les pieds servettiens aujourd'hui, mais plutôt dans ce Uruguayen avec Tosin. C'est là qu'on voit quand même que la confiance fait beaucoup dans le sport et dans le football. Parce qu'en début de saison, c'est vrai que peu importe comment jouait Servette, on a l'impression que tout allait tourner en sa faveur. Ouais. C'est vrai que là, depuis quelques matchs, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'en début de saison, le match contre Lugano, Servette le gagne, tu vois. Il ne fait pas de match nul. Donc, Et tu parlais du fait que Servette, c'est quand même un deuxième de Super League, mais c'est là quand même la, entre guillemets, l'incohérence du championnat suisse. C'est que tu peux être deuxième du championnat en n'étant pas très bon, finalement, simplement. Ouais. Mais justement, les 12 équipes vont aider à changer ça. Ah, alors ça, c'est bien possible, Parce que finalement, il y aura peut-être un peu plus de différence aussi. C'est peut-être pour ça que les clubs vraiment voulaient voter pour les playoffs parce qu'ils savent leur peut-être leur entre guillemets incapacité à être très régulier. Il y avait trop de bruit dans le stade, je n'ai absolument rien entendu à votre discussion avec Hugo Curti, mais j'ai envie de revoir le live en replay
Et on va essayer de vous mettre l'extrait d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, ça pourrait être intéressant. Ça peut être intéressant, oui. Un extrait assez long, hein, ça a duré bien, bien 10 minutes. Sur notre chaîne YouTube, potentiellement, ça pourrait être intéressant. Pour avoir cette petite discussion. Mais c'est vrai que c'est difficile à savoir quels clubs vont le plus en profiter. Ouais. J'en ai aucune idée de comment, qui va en profiter plus que d'autres. Je dirais que les grosses équipes vont rester des grosses équipes. Ouais, c'est forcément. Ça, en fait, finalement, pour eux, ça va rien changer. Ils sont tellement forts que... Je suis pas sûr que Young Boys, ça va les déranger de faire des playoffs. Enfin... Attention avec Okita au deuxième poteau. Il y a Boranjasevic qui arrive tout seul. La frappe de Boranjasevic, c'est contré. Ça revient avec Kondé qui rate complètement sa frappe. Il y avait même une main hein, selon moi de Kondé. Il y a un hors-jeu. Il y a un hors-jeu clairement et de Boranjasevic. Qui n'a pas joué le ballon. C'est assez fair play hein, de la part de Boranjasevic de laisser le ballon à Frick. Et Clichy qui peut repartir avec Fofana dans la profondeur qui n'est pas en jeu. Il a pu revenir certainement face à Katic. Bien joué, Fofana qui est passé. Fofana qui va frapper directement. Non, Fofana c'est bien joué. Fofana la frappe. Et c'est contré, ça revient sur lui. Il ne fait pas de pari. Penalty. Alors là, par contre, il y a certainement un penalty sur Boubacar Fofana. Dans tous les cas, il doit mieux faire. Mais il doit faire une passe, c'est pas possible. Il peut pas toujours jouer tout seul. Il avait dribblé, Cambéry était tombé et il a tiré sur Cambéry qui est à terre. Pour vous décrire l'action. Boubacar Fofana qui des fois veut prendre un peu ses responsabilités et regardez la différence entre entre Bo Henriksson et Alain Gaillard. Alain Gaillard qui ne bouge pas, Henriksson qui continue à motiver ses troupes et grande différence à ce niveau là il va avoir des entrées de Camara et de Dias Patricio et certainement la sortie de Rodelin et Doulin peut-être le centre de manière contrée ou de Fouquet peut-être et on va voir ce que ça va donner. Et changement du coup du côté aussi zurichois, mais côté Servetien comme tu dis avec Camara et Dias. Alors sortie de Patrick Fouqueux pour l'entrée de Sidiki Camara et sortie de Ronny Rodelin pour Alexandre Dias Patricio, c'est à peu près ce qu'on avait dit hein, finalement. Mais ça fait quand même plaisir de voir ces jeunes. Ouais, honnêtement, ouais. Là ça fait plaisir et même voilà là. Presque envie de dire que la défaite est anecdotique, mais bon, elle fait quand même mal. Oui, bah une défaite, ça fait jamais vraiment plaisir. C'est sûr, mais voilà, vraiment, il y a quand même, il y a beaucoup de trucs à améliorer, beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe servétienne. Et c'est compliqué de dire dans la mentalité, parce que la mentalité est souvent irréprochable, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, non, c'est clair. Et alors qu'il y a un coup franc là de Stevanovic, et ça va être mal tiré, hein, Katic qui va pouvoir... dégagé, Stevanovic qui retente et Katic à nouveau qui va contrer. Mais non, c'est vrai que on semble aussi un petit peu éteint, je pense, par ce score de 3-0, Thomas. Et c'est vrai qu'on discutait avant le match avec l'équipe de communication de Servette FC qui nous disait à chaque fois que vous venez ici, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose, mais dans le mauvais sens cette fois. Et c'est vrai que tu avais vécu le doublé de Rodelin la saison passée, le 3-2 cette année face à Grasshopper. J'avais vécu le triplé de Yongming Park. Ah voilà, également. Que donc, des folies généralement ici. Et bah, cette fois, ça se passe plutôt mal. Ouais, ça ne sourit pas. Je songe peut-être à arrêter le commentaire sportif. Hein. Simplement. Juste là-dessus. Simplement, voilà. Ça dégoûte. J'ai commenté de nombreuses fois au Let's Ground, mais c'est ma deuxième défaite. Hein. Il y avait eu la défaite 1-0 des Grenats en janvier dernier. La reprise, premier match, défaite 1-0 contre Zurich. Bon, alors, c'était pas le même Zurich, mais voilà. Les Servettiens qui vont essayer quand même de faire bonne figure dans ces 10 dernières minutes. Alors que cet accent du speaker. Ouais. Et sortie de Okita, ce Ferreur. Et tu as totalement raison, avec l'entrée de Ronner. Ouais, de ton Fabien Ronner. Mon Fabien, ouais. Énormément. Et attention à Fabien Ronner, là sur le côté droit, face à Clichy, avec sa vitesse. Il ressemble d'ailleurs à un certain Clément Galtier que l'on salue. Que l'on salue. Fabien Ronner qui a la même vitesse que ce Clément. Ouais. Certainement, même un petit peu moins rapide que ce Clément. Et ce fameux Clément qui avait mis le feu autour d'un micro buvette, qu'on salue chaleureusement. Les Grenats qui vont donc essayer, comme on vous le disait, de faire une bonne impression dans cette fin de rencontre avec bien joué ça de Camara pour Dias Patricio. Dias Patricio pardon, qui perd son duel et un ballon qui revient sur Yannick Brecher. Yannick en fait, Brecher. Diego a complètement rage quitte, hein, simplement. Diego Esteban qui nous a quitté. Alors bon, il pourra pas aller très loin, mais voilà, il est parti simplement avec. Magnin à présent, Théo Magnin qui va essayer de déborder sur le côté droit. Long ballon en profondeur pour Dias Patricio, c'est bien joué de la part de Théo Magnin, le centre de Patricio. C'était bien joué. Et il n'y a absolument personne, c'est dommage. Il y avait hors-jeu malheureusement de Dias Patricio. Ouais. C'est dommage, c'était bien joué cette mise en retrait de Dias Patricio. Ouais, alors que les supporters de la section Grenat continuent de chanter. Hein, et
Il ne démord pas, il ne démorde pas. Tu vois, bah il faut... Ça s'est vite arrêté. Hein. Mais bah, regarde, regarde pourquoi. Voilà. Ils sautent, ils dansent. Mais ouais, c'est compliqué pour eux comme pour nous. Comme pour tous les serviteurs qui sont présents cet après-midi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que 3-0, c'est... J'ai presque envie de dire c'est dur, mais en même temps, pas tant que ça. Quoi, parce que Frick a quand même sauvé 3 gros ballons. Ouais. Même si le troisième but est peut-être un peu pour lui, ouais. Même certainement pour lui, ouais. On peut le dire. Mais avec Fofana à présent. Fofana avec, oh, mais... qui allait chercher plus que, mais c'est mal donné de la part de Boubacar Fofana. Boubacar Fofana qui était bien revenu en début de saison. Depuis ça, et là, c'est vrai qu'il est dans une période un petit peu difficile. Oui. Et en fait, bah, y a cette problématique de manque de confiance. Et le manque de confiance donne envie de se rebooster en essayant tout un peu tout seul. Et puis généralement, bah, ça ne fonctionne pas et c'est encore pire. On retrouve Touati sur la droite. Bah, bien joué de Touati qui passe son adversaire et qui obtient un corner. J'aime vraiment beaucoup quand même ce Houssain Touati qui est capable de, bah, comme on le disait, de percuter. Et c'est également le cas de Théo Magnin. Donc cette doublette Théo Magnin-Houssain Touati sur le côté, c'est très intéressant. Ouais, 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 c'est très offensif. C'est... Avec Touati qui va même tirer le corner. Et c'est parti. Pour Hassan Touati, la déviation de la tête, ça ressort sur Fofana. Ça revient sur Clichy qui remet à Fofana. La passe est un petit peu longue, mais elle va être récupérée quand même par Boubacar Fofana qui va essayer de dribbler ses adversaires. On sert Gaël Clichy. Gaël Clichy peut-être dans l'axe. C'est bien joué pour Camara qui est tout seul. Le centre de Camara s'est dévié malheureusement. C'était bien joué là de Clichy pour Camara. Si on était mauvaise langue, on pourrait dire que ça joue même mieux que les 21 là que les joueurs habituels de la première équipe, mais bon, bah c'est ouais, effectivement là franchement les entrées sont très intéressantes, il y a plus d'envie et, ouais. Et il se passe un petit peu quelque chose quoi. Après les Uruguayens baissent un peu de rythme aussi. Moi certainement aussi, oui certainement, mais le... Camara qui centre et la tête de Doulin qui va passer à côté des buts de Brecher. Aïe aïe aïe, c'est fin de match quand même, hein. Simplement le aïe 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 qui veut dire beaucoup, ouais, alors que alors que que ce cher Diego Esteban est gentiment allé me chercher des petites frites, c'est très gentil de sa part. Est-ce que tu veux la moitié? Oui, je te remercie. Il a pris beaucoup plus que la moitié, j'ai envie de mourir. C'est très gentil de la part de Diego. En plus, ces frites sont absolument splendides. Est-ce que tu en veux, Nathan? Alors, le live qui part un peu en dégustation. 8 sur 10. On part un petit peu en micro-buvette là, sur cette fin de live. Félix, qu'on salue d'ailleurs. Oui, effectivement. On revient, ça nous rencontre avec les... vraiment manger des frites en live. Totalement, les Uruguayens qui récupèrent le ballon avec une passe en retrait pour Boraniazevic. Boraniazevic qui remet sur la droite pour Marquezano. Marquezano, c'est bien joué pour Boraniazevic qui va peut-être centrer face à Camara. Bien contré, bien dévié de la part de Camara et récupéré par Jérémy Frick. Il m'a donné faim ce Diego Esteban. On fera un petit halt buvette avant de oui, repartir. Oui, effectivement. Et voilà, et Fofana qui essaie de partir dans ses dribbles, bah, ça passe quand même avec Stevanovic. Stevanovic qui n'a vraiment pas de solution, ça va être compliqué, mais c'est magnifiquement bien joué de Stevanovic pour Fofana. Fofana, mais la passe est catastrophique. La passe est catastrophique pour Alessandro Diaz-Patricio et c'est récupéré par les Uruguayens. Avec Brecher. Brecher qui va pouvoir peut-être écarter. Il préfère dégager en direction de Marquezano. Marquezano, déviation sur Gaël Clichy. Gaël Clichy qui remet à Boubacar Fofana. Mais Boubacar Fofana manque absolument tout ce qu'il essaye. C'est quand même énervant. Et le ballon ne sort pas. C'est récupéré par Fofana qui se fait tacler. Et il va peut-être y avoir un carton jaune côté Uruguay. Non, apparemment pas. Mais encore deux changements côté Uruguay avec deux nouvelles sorties. Ah, il n'y a plus de limite, on mange des frites, on se mouche en live. Mais c'est vrai que cette petite halte buvette nous tentera bien après cette rencontre. Totalement. Effectivement, comme nous dit Diego, c'est plus sympa que ce qui se passe sur le terrain. Alors que Marquezano va laisser sa place. C'est pas grand chose à dire. Hein, non, c'est vrai que ouais. Sur cette fin de match, c'est vrai que c'est un peu. C'est compliqué. Un petit peu compliqué, continuez, hein. Si vous avez des questions, vous êtes 43 sur le chat, n'hésitez pas à nous poser des questions, histoire qu'on dialogue. Ah, si vous voulez quelque chose pour vous rassurer et vous dire que vous n'êtes pas les supporters à vous prendre entre guillemets une rouste, on pense à Sion hier qui a pris 7-2 contre Saint-Gall, et on pense à la maison, et on pense à Arau qui est en train de perdre 6-1 à Ville. Ville qui est vraiment impressionnant. Finalement 3-0, c'est pas très mal. C'est pas si mal, mais c'est vrai que pour la différence de but, bah, c'est vraiment quand même pas terrible. Hein. Sauf que c'est vrai que cette différence de but n'était pas incroyable déjà avant le match. Plus 4 qu'il me semble. Ouais.
un coup franc à venir pour les Servettiens avec Gaël Clichy qui centre directement dans les gants de Yannick Boischer. Et un dégagement de Yannick Boischer. Yannick Boischer, ça repart avec Guerrero. Guerrero qui élimine Toiti. Il va rejouer avec Koundé, Guerrero. Et on rejoue en retrait. On essaie de perdre du temps un petit peu côté zurichois, ce qui est quand même un peu normal, je pense. C'est bien joué. Ouais. Avec un. On essaie une transversale. Ça va être récupéré par Doulin, mais mauvaise tête de Doulin. Et Zurich qui va pouvoir reprendre ce ballon. Avec Katic. Katic à côté de lui pour Cambéry. Cambéry retour à Katic sur la gauche. On va retrouver Guerrero. Guerrero qui n'est pas servi. On préfère servir Tosin, mais mal. Mais la déviation chanceuse est parfaite pour Krasniqi. L'accélération sur le côté droit avec peut-être une frappe directement. Voilà une frappe qui est faite. Ça revient sur un Zurichois qui manque un petit peu son contrôle. C'était Ronner en l'occurrence. Alors on nous demande, Adrien nous demande pourquoi Séverin ne joue plus. Simplement parce qu'il s'est blessé, Johan Séverin, et qu'il devrait être de retour en janvier selon nos informations. Et c'est injuste, hein. assez sévèrement, hein, il s'est blessé assez sévèrement au ligament de la cheville, heureusement, et alors que les Zurichois font vraiment beaucoup de bruit dans leur cop. Mais voilà, Johan, c'est vrai qu'on l'on retrouvera à la reprise, mais c'est vrai que là, avec cette victoire, bah, Zurich passe à 12 points, si je dis pas de bêtises. 12 points, le Servette FC en a 25, il n'y a plus finalement que 13 points d'avance sur cette dernière place. C'est quand même beaucoup, mais voilà, c'est pas tant que ça. Bah ça peut aller vite, mais... Et attention maintenant au contre avec Tosin. Tosin face à Frick et goal. Le 4-0 de Tosin qui s'est débarrassé de Magnan. Mais alors jamais fait qu'il fait un match catastrophique aujourd'hui. Ouais, hein. ouais. Triplé de Tosin. Hein. Il ne s'est pas tant débarrassé de Magnan que ça. Magnan a taclé, voilà, le tacle est passé. Enfin, le ballon est passé. Mais et, ouais. La différence de but qui passe à plus 0. Voilà. Et c'est vrai que le match de Jeremy Frick s'est compliqué. Et tous les buts arrivent quand même de ce fameux côté droit. Absolument. Tous les buts arrivent du côté droit. Éventuellement du côté gauche sur le troisième but, parce que le centre vient de la gauche. Ouais, le troisième but, c'est pour moi celui le moins droitier de, de tous les buts. Je commence à avoir faim. Je vois Diego manger. Ouais. Il y a 4-0. Il reste encore 5 minutes. Hein. Il reste encore un moment. Mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu notre état d'esprit actuellement. Ouais, c'est dur. C'est on dur. Reste tout de même objectif sur ce qui se passe sur le terrain. C'est la prestation des Grenats n'est pas au niveau. Non, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La prestation n'est pas au niveau. Si on peut vraiment essayer de nouveau retenir du positif, parce que c'est toujours ce qu'il faut faire, bah voilà, le Servette FC est deuxième. Il y a toute une deuxième saison qui va démarrer maintenant. Alors que là, c'est bien joué, c'est bien joué, hein. Pour Stevanovic. Le centre et Magnan qui est en position numéro 9. Ouais, ouais. Et corner pour le Servettien. Quand même corner pour le Servettien, mais là c'était magnifiquement bien joué de nouveau. Touati, Magnan, Stevanovic, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et Camara aussi. Camara fait une entrée sympa aussi. Et le corner qui va être botté par Boubacar Fofana. Pas grand chose à se souvenir de cette rencontre. Si ce n'est ce but, le but de Miroslav Stevanovic sur le corner de Boubacar Fofana. Et Brescher qui a complètement manqué sa sortie et quand même un but pour sauver l'honneur, ça fait du bien. Et ça va faire du bien aussi à Stevanovic de marquer. Et bah voilà, bah tu le disais, Anonymous 1225, allez au moins un goal pour l'honneur, bah voilà, il et est c'est là. C'est son quatrième but de la saison, toute compétition confondue à Miroslav Stevanovic. Quand même, hein. Ouais. Mais il a seulement 3 passes décisives entre guillemets. Ouais. On 17 matchs. Ouais. Ce qui est pas dans les standings. Dans les standings. Alors on est d'accord. Ces standings, c'est pas forcément de faire 20 passes décisives. C'est parce qu'il l'a fait une fois qu'on attend ça chaque année. Mais il faut quand même dire que c'est compliqué. Ouais, c'est quand même dommage cette rencontre, moi je trouve, ici au Letzigrund, parce que la première mi-temps était loin d'être scandaleuse. La deuxième est vraiment très très compliquée pour les Grenats. Oui, c'est vrai. On disait justement en première période, mais ils n'avaient pas si mal commencé, tu vois. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Vraiment déçu, oui, il y a de quoi. Un deuxième but, bah alors si Servette marque un deuxième but maintenant, faut jamais dire jamais, mais ça pourrait enflammer totalement la fin de match. Bien joué de Toiti. On va espérer quand même que les Grenats
Après, ça va être compliqué quand même de remonter. Hein. Si Servette arrive à aller chercher le 4-4. Et bien joué de Camara. Je crois que d'ailleurs, tu avais dit dans la voiture 4-4 pour rire. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. On essaye de reprendre espoir. Ouais, ouais, et si seulement. Mais voilà, on est à la 89e minute et 20 secondes. Ça risque d'être difficile pour les Servettiens de revenir. Avec Mania à présent, qui a passé le milieu de terrain, qui cherche Dias Patricio dans la profondeur. Et Dias Patricio qui se bat. Et c'est Brecher qui va être le plus prompt pour bloquer ce ballon. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ouais, ça fait pas beaucoup. Hein. Ouais, ouais, ça fait vraiment très peu, mais en même temps, il n'y a pas grand chose. C'est pas faux. Ouais. Je terminerai ma phase un autre jour. Et puis, on ne va pas espérer que le Servette FC marque 3 buts. Hein, il ne faut pas espérer. Pour répondre à ta question, l'INSEE, c'est Stevanovic qui a marqué le but du 4-1. Sur une passe de Boubacar Fofana. Et non, il ne faut pas être aussi négatif, le fan suisse, parce que voilà, la pause aujourd'hui qui se profile va être encore plus longue que la pause qu'il y a eu entre mai et le début de saison. Donc, ce n'est pas impossible. Que voilà, c'est vraiment une toute autre saison qui va débuter au mois de janvier. Il ne faut pas non plus oublier le fait qu'en janvier, il y aura potentiellement beaucoup de changements aussi en termes de joueurs. Oui, c'est ça, il y aura sûrement des recrues et peut-être en route de départ. C'est ça. Plus des recrues, parce que ça va être assez peu généralement en hiver. C'est vrai, mais il y en a eu quand même l'année dernière avec Bauer, avec Bedia. Oui, mais ça, c'est les arrivées. Mais les départs. Ah, ouais, alors les départs, ouais, effectivement. Et Schalke quand même. Ah, oui, Schalke, oui, j'allais oublier Alex. Kay. Il y avait... Ouais. En fait, ouais. Ouais, elles sont bien tes statistiques. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est vrai que c'est assez rare de manière générale. L'année passée, il y en a eu, mais sur plusieurs années de. Oui, ça c'est. Bon, ouais, tu vas. Mais ouais, il y en a eu deux arrivées. Tu penses qu'il y en aura cette année des arrivées et des départs? Pas forcément, j'ai l'impression, parce que le contingent, notamment, il ne faut pas oublier que le contingent est quasiment complet. Notamment avec l'inscription de Touati, là, toute récente. Ouais. Le contingent est quasiment complet. Je ne sais pas si on peut refaire une inscription de contingent au milieu de saison, et ça, je ne sais pas. Il y a le mercato, donc il devrait avoir une ou deux arrivées, je pense, non? On espère. On espère, mais ouais, un latéral droit. En tout cas, moi, je pense qu'au-delà du changement de contingent, il y a vraiment un changement en termes d'entraînement tactique à faire. Et ouais. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, il ne le fera pas. Parce que le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de peine pour le Servette FC avec le jeu proposé, simplement. Parce que depuis le début de saison, il y a les points qui sont faits, mais le jeu est quand même compliqué. Et au bout d'un moment, le jeu fait quand même la différence. Alors moi, je suis totalement d'accord avec toi, Thomas. Mais après, tu veux... On va quand même applaudir Tosin pour son triplé. Parce que voilà, il a vraiment fait un grand match. Ayek Boun Tosin. Au niveau des changements de tactique, à voir comment ça peut se passer, mais je vois pas Gaguerre à 6 mois de la fin de son contrat totalement changé. Effectivement. Pour moi, il va rester sur ses bases, ouais. Sur ce qu'il a l'habitude de faire, il va prendre le risque. Ouais, voilà. Comme il a toujours fait finalement. Ouais, c'est ça. Bah, il eut changé déjà de tactique. Ça commence à faire des passés, des magnifiques passés simples. Hein. Oui, ouais, bah oui, parce que ça fait longtemps. C'est pas faux. C'était au départ de Wüthrich qu'il a changé de tactique. C'est vrai. Où il a arrêté de jouer avec un numéro 10 et ouais. Voilà. Ouais. Tu as absolument raison. Ça fait un moment, parce que ça fait la première année en Super League, c'est la quatrième. Là. Ouais. Donc ouais, ça commence à faire un petit bout. C'est la quatrième. Oui, c'est la quatrième, t'as raison. Ouais, j'en profite pour vous remercier hein, de vos commentaires gentils. Et ouais, la passe de Jarvis Frick est totalement. Donc oui, je vous remercie. De vos commentaires sympas sur le chat, ça fait plaisir de discuter avec vous de ces matchs. On essaye de vous les faire vivre du mieux possible. Et puis malgré une grosse défaite comme aujourd'hui, bon, on essaie de rester positif, souriant, et puis de vous faire vivre tout ça en direct depuis les stades de Suisse. Ouais, exactement. Et on se retrouvera le 22 janvier, hein, selon tes sources. Pour aller au Schützengiesse de Winterthur. Mais voilà, d'ici là, on va essayer de vous poser un maximum de contenu durant l'hiver et durant cette Coupe du Monde autour du Servette FC, des interviews écrites et peut-être des reportages vidéo. On va voir comment on peut faire ça, des podcasts. On va essayer de vous proposer un maximum de choses et certainement des articles de l'équipe féminine aussi. Et attention à la frappe qui passe à côté. Et qui a détruit l'appareil photo. Ah oui. Alors là, il n'y a plus d'appareil photo, malheureusement. Et regarde, les photographes qui ont l'air un peu... Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'il reste certainement une vingtaine de secondes dans cette rencontre. Mais voilà, comme je disais, sûrement des articles de l'équipe féminine
notre rédactrice Alex Garibian qui va certainement vous écrire quelques beaux articles. C'est la fin de cette rencontre ici au Let's Second. Belle victoire du FC Zurich 4-1 contre le Servette FC. Le Servette FC qui est quand même parvenu à réduire le score, à sauver l'honneur. Mais voilà, c'est un petit peu dommage cette fin de d'année qui se termine comme ça sur une lourde défaite qui ne va pas faire du bien. Mais voilà, le Servette FC, on peut retenir quand même une très très bonne première partie de saison. Ouais, c'est toujours une deuxième place assurée à Noël, donc voilà. Quel est nos pronostics pour la Coupe du Monde? L'Allemagne, 5e étoile. Ah, la Suisse, comme vous dites, la Suisse, forcément. La Suisse, si elle ne gagne pas cette Coupe du Monde, je connais rien au football. Bon, je connais rien au football, vous avez compris, mais... Ouais. Honnêtement, moi, je dirais l'Argentine, allez. Moi, je vais dire l'Allemagne, allez. Un petit remake de cette belle finale de 2014. Tu sais que si l'Allemagne gagne cette finale, il se ferait allumer dans tous les sens pour voler la Coupe du Monde à Messi, tu vois. Alors empêcher Messi de la remporter. C'est vrai. De toute façon, l'Allemagne va gagner la 5e étoile. Vous l'aurez vu ici en premier. Je pense que c'est important, sérieusement, que les Sud-Américains sont très très forts cette année. Ouais, le Brésil. Brésil-Argentine. L'attaque brésilienne est une belle tête après la défense. Un peu moins peut-être, ouais. Mais ouais, le Brésil, l'Argentine est solide. Mais il n'y a pas de grand favori selon moi qui se dégage de cette Coupe du Monde. Non, non. Donc ça va être. On espère une belle Coupe du Monde malgré le lieu. Ouais. Ouais, malgré le lieu, malgré toutes les choses extra-sportives qui se tournent autour de cette Coupe du Monde. Mais voilà, on espère quand même assister à une belle fête du football comme chaque fois lors des compétitions internationales. Et puis voilà, nous on va gentiment rentrer du côté de Genève. Pour le commentaire. Et on te salue bien d'ailleurs, merci beaucoup. Et nous on va aller manger, voir la conférence de presse et rentrer gentiment à Genève. Merci beaucoup pour votre soutien tout au long de cette année civile 2022. Ouais. On vous souhaite d'avance une bonne année. Des belles fêtes de fin d'année. Ouais. Ouais. Et on se retrouve nous le 22 janvier, toujours selon la Zinguignasse. Donc on va voir du côté du Schützenwiese de Winterthur. Donc voilà, à bientôt et belle fête de fin d'année. Bye bye.